Céline la doyenne. Hommage à Céline la doyenne, c'est jeudi soir. On fait un direct jeudi. Oui, la doyenne. La doyenne. La semaine du deuil. Hein. Faire ou vous laisser, c'est quoi cette demi chanson là, hein? C'est quoi ce genre de demi chanson là, hein? La vie, c'est quoi?
quoi? Céline, 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 la voyelle. Tu vas nous manquer, oh maman. Céline, 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 la voyelle. Tu vas nous manquer, oh maman. Oh, Céline, la voyelle. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir la team, sympathisants, à tous les détracteurs, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me suivent. Voilà quoi, bonsoir à tous les fans du monde entier et sympathisants. Voilà, je me représente encore. Je suis Flore de Lille, la reine mère, la PDG internationale, donneuse de WOKC, qui a reçu déjà plusieurs trophées, dont un trophée en Côte d'Ivoire remis par Apuchu National et un trophée reçu récemment au Cameroun lors de la nuit du Crétorium au Cameroun. Donc, je tenais à remercier toutes ces personnes-là qui m'ont récompensé, à remercier tous les abeilles et sympathisants du monde entier, ainsi qu'aux détracteurs, parce que sans des détracteurs, je ne suis rien. Dans la vie, il faut avoir les détracteurs pour montrer sa puissance. Et j'aimerais remercier toutes ces personnes-là qui me combattent nuit et jour. J'aimerais pas qu'ils arrêtent leur combat, parce que s'ils arrêtent leur combat, j'aurais plus de travail. Voilà, donc on reste comme ça. Même si on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, mais qu'on soit ensemble. Vous savez tous que la diaspora a été touchée depuis le lundi. Un jour que personne ne va oublier. C'était le lundi 10 janvier. Le lundi, je ne peux pas commencer un direct sans hommage à Céline Ladoyer. Surtout que c'est la dernière semaine. C'est la semaine des bye-bye à Paris. Donc, ce qui fait que depuis là, je n'ai pas envie, je n'ai même pas la force de faire le live. Mais comme je suis une star des réseaux sociaux, je dois de temps en temps revenir pour faire vivre ma page et tout. Mais vous savez tous que nous sommes touchés. Paris a arrêté de vivre le 10 janvier. Le 10 janvier, le monde entier, particulièrement Paris, il y a eu un silence. Et ça, c'était pendant au moins 7 jours. Je ne peux pas parler de je ne peux pas parler sur Facebook aujourd'hui. Je n'ai pas la force de faire les lives. Personne ne m'a interdit les directs. Mais c'est juste que je ne me sens pas capable de venir faire les lives avant le bye-bye de Céline Ladoyenne, en fait. Parce que je sais qui était pour moi cette dame. C'était une personne de très importante qui m'a beaucoup soutenue. Oui, qui m'a beaucoup soutenue dans la vie réelle. Vous savez, au deuil, chacun sait quoi il pleure. Moi, je pleure Céline Ladoyenne par rapport à comment elle était avec moi. Je pleure Céline Ladoyenne par rapport à comment quand j'arrivais dans son restaurant, je forçais pour payer. Si je voulais manger le Ndjor, j'allais manger le Ndjor toute ma vie là-bas. Je pleure Céline Ladoyenne parce que c'est une femme de parole. Chaque événement que j'ai fait, cette dame a participé dans ma vie. C'est quelque chose que... C'est très douloureux, hein, parce que sa mort, la mort de la disparition, parce que ça c'est une mort très brutale. C'est une mort qui a fait mal à tout le monde, même les personnes qui ne la connaissaient pas. Qui a fait mal même à ses détracteurs. Parce que quand nous sommes en vie, on se dit toujours que tel me déteste, tel me déteste. Mais quand tu disparais là, toutes ces personnes-là pleurent. Paris pleure, Céline Ladoyenne. Et j'aimerais vous inviter à rendre un vibrant hommage ce vendredi 3 à Paris, au nom de Céline Ladoyenne, pour ce qu'elle était pour toi, pour ce qu'elle était pour moi, pour ce qu'elle était pour nous. Venez rendre hommage à cette grande dame qui a disparu d'une manière tragique. C'est une tragédie. Personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. C'est une tragédie. Ce qui s'est passé, ça dit que le lundi 10 avril, 10 janvier, je me souviens, je vais vous raconter cette journée-là. J'étais partie de Bafoussam. J'étais à un week-end de deuil, hein, un week-end d'enterrement à Bafoussam et tout. Après, j'ai dit, je vais monter par Yaoundé avec le chauffeur. C'était le dimanche. Le lundi matin, je dis au chauffeur, je vais aller au 50-50, à la brique. Parce que le 50-50,
Le Ngrimba que les gens l'ont mis là-bas, je ne comprends pas. Le 50-50, quand j'amène en Europe, non, je n'ai pas le goût. Le goût du 50-50, c'est quand tu manges sur place que la fumée te traite les yeux. C'est où tu as le goût du 50-50. C'est où je dis au chauffeur, allons au 50-50. J'amène, non, on va au 50-50. Et puis après, le chauffeur, il cherche un endroit pour se garer. Vous savez, c'est une rue où, à la brique, là, c'est une rue serrée, serrée, quoi. Il y avait la mairie qui avait garé la voiture, là. Et la mairie, où c'est la mairie a garé le pick-up, là. Et personne ne bougeait. Et j'ai dit au chauffeur, bah, moi, je descends, je vais manger le 50-50. C'est bien quand c'est chaud. Surtout qu'il faut compter les pics, là. Mes chers frères et sœurs, je suis en train de traverser la route parce que j'ai garé Chomagida. Vous voyez, au 55 ans, la briqueterie. Il y a Chomagida là-bas où il y a les chaises devant. C'est où le chauffeur a garé de l'autre côté de la route, ceux qui connaissent la briqueterie. C'est où je gare, où on vend le Koussam. Vous voyez où on vend le Koussam de l'autre côté. C'est où le chauffeur gare. Il cherche l'endroit pour garer pour le Koussam, pour que je traverse. Maman, c'est comme ça que je suis en train de traverser là. Je reçois un message. Pendant que je traverse la route, je reçois un message. Mes chers frères et sœurs, je suis malade, mais ça va aller. Je reçois un message. Céline est décédée. Seigneur. Moi, quand je reçois le message, Céline est décédée. J'ai pensé à une certaine Céline à Paris, que Dieu me pardonne. Mais en fait, je n'ai jamais pensé que ça pouvait être la doyenne, je touche du bois. La fais-tu au courant que Céline est décédée? Et que vous connaissez les gens en Afrique. Vous devez apprendre à annoncer les nouvelles aux gens. On annonce, tu peux annoncer quelque chose à quelqu'un, la personne, la voiture, quand quelqu'un, il meurt là. Oui, je reçois le message. J'ai encore le message là. Tu es au courant, Céline est décédée. C'est où je dis que... Ouais, quelle Céline? Parce que quand même, il y a beaucoup de Céline à Paris. Putain, je vois Céline la doyenne. J'avais déjà le Koussam. J'avais déjà le soya de 50-50 que j'avais trempé le piment comme ça. J'ai même dit à Magida que Magida, tu es sûr que la viande est cuite? J'ai fait ça. Quand je vois le message, la doyenne. Quoi? Le soya de 50-50. J'ai fait comme ça là. Je n'ai pas pu avaler. J'ai redéposé le soya de 50-50. J'ai peut-être... On va dire que j'ai fait comme ça. J'ai vu Céline la doyenne. J'arrive à la brochette comme ça. Mais ça, chef, ça ne pouvait pas redéposer pour que la salive. Mais j'ai quand même fait ça. J'ai même pas bien mâché. J'ai avalé sans mâcher. Le teigna de ça. Le teigna de ça. Donc, c'est comme ça que j'avale. Parce que le 50-50, il y a même combien sur ça? Peut-être... Il y a peut-être 4. J'ai fait ça, tu fais comme ça. 2. Hein? Le teignant de ça, j'ai avalé. J'ai regardé encore, j'ai passé le coup. Il fait, allô, tu parles de que c'est Céline la doyenne. Mof. Mes chers frères et sœurs, j'avais dit à Magida que donne-moi pousser un midget. J'ai dit à Magida que, tu sais quoi Magida? Vraiment, laisse. Le Magida dit que tu ne prends plus le soya. Je dis que, attends d'abord. Je me mets à côté, j'appelle la personne. Je dis que, attends, tu dis que quoi? Que Céline la doyenne. Je dis que mais arrête un peu. Ouais, c'est quoi ça? Moi, je suis au 50-50. C'est quoi ça? Mais dit que Céline la doyenne est décédée. Je dis que mais décédée comment? N'essaye pas là avec elle l'autre jour. Il y avait le mariage de Jombis. Jusqu'à ce que j'ai même dit que j'arrivais, ça allait prendre mon prix. Tu parles de quoi? Mais chef, vous l'avez avalé le soya. Le soya n'est pas descendu. Je ne peux pas vous dire maintenant que j'ai recraché le soya. Je suis resté les pleurs de ça au 50-50. Mes chers frères et sœurs, mais c'était les pleurs que les larmes ne coulent pas. Parce que je n'étais pas sûre. Mon corps a commencé à me faire un genre là comme si. Mon corps a commencé à me déranger. Je dis que mais Céline la doyenne comment? Quelques minutes après, je commence à recevoir les messages. Les trucs. Céline la doyenne, car comme Facebook existe, maman. Je peux vous dire que ça m'a traumatisé. Je voulais dire à Céline, aux enfants de Céline la doyenne, aux gens qui était important pour elle, à l'entourage de Céline la doyenne, que
elle avait une puissance, elle avait une force sur les gens. Cette femme, je ne pense pas qu'on a pleuré quelqu'un à Paris. La personne qu'on a pleuré à Paris, il y avait le petit frère de Petit Pays. Il marchait avec Bokilo. Le petit frère de Petit Pays, j'ai oublié comment il s'appelait. Oh là là, que Dieu me pardonne, paix à son âme. Un jeune. Les gens l'ont pleuré à Paris. Eh Seigneur. Mais moi, je ne l'ai pas pleuré comme je pleure celui-là, parce que je ne le connaissais pas. J'entendais que parler de lui. Je l'avais déjà vu une ou deux fois, mais ce n'était pas quelqu'un. Je n'étais pas proche, vous voyez un peu. Mes chers frères et sœurs, j'ai pleuré Céline Ladoye, j'étais traumatisée. Et je suis sûre que même toi qui es assise chez toi, même toi qui me regardes maintenant, tu te dis que ce n'était pas son jour. Même si on dit que chaque personne a son jour, toi-même tu sais que ce n'était pas le jour de Céline Ladoye. Mais nous avons accepté. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle repose en paix. Que le Seigneur l'accompagne et que Paris accompagne cette dame. Je pense à Céline Ladoyer. Je pense à ses manières. Céline Ladoyer avait souvent son verre de bière. Elle buvait la bière ou bien elle buvait rosé d'Anjou d'Acajou. Rosé d'Anjou. C'était son vin. Elle avait sa place dans son restaurant. Maman, il faut voir quand les personnalités comme moi arrivaient avec mon gouvernement, mon ancien gouvernement. Elle disait aux gens qui sont assis là depuis le matin que, pardon, levez pour mon président, lève-toi. Et c'est comme ça que les gens voulaient un gangan, qu'on ne se lève pas. Hey, mes clients sont là. C'est la doyenne, tu pleures, tu ris en même temps quand tu penses à son comportement. Elle dit que, dis donc, lève-toi là, s'il te plaît, sors de mon restaurant, s'il te plaît. J'ai mes clients qui sont là, c'est quoi? Recule-toi. Depuis que tu as pris trois bières, tu prends une formule toute la journée. C'est quoi, il faut sortir mon restaurant? C'est comme ça qu'elle s'engueulait avec les gueules de mal. Parce que j'ai compris que pour avoir le restaurant, il faut avoir la gueule. C'est la doyenne. Mais je faisais ça. Cette femme, quand tu arrives, quand les gueules de mal commencent à vouloir l'engueuler, elle dit que sors de mon restaurant, mes vrais clients sont là. Et tu vois ceux qui sont assis. Dis donc, ils vont boire quoi? Dis donc, on est là depuis. Que ouais, reculez-vous, mes clients sont là. C'est quoi? Il va boire le champagne, mettez le runa là-bas, mettez le vin. C'est comment? Toi, tu vois la bière, recule-toi, c'est quoi? Sors de mon restaurant. Comment quelqu'un comme ça? Ou bien tu vas t'asseoir là-bas? C'est la doyenne, le 17e. Un restaurant que les gens parlent fort. Maman, un restaurant que on entend que les records des milliards. Donc, quand tu viens t'asseoir là-bas, tu entends seulement, oui, c'était 3 millions d'euros. C'était 4 millions. Quelle entrée que tu dis donc, mes clients se ne parlaient plus fort dans mon sens. Tu vois la doyenne, tu dis que, c'est quoi, vous parlez fort dans mon restaurant, c'est quoi? C'est votre restaurant. Dis donc, sors, allez là-bas en haut. Allez là-bas, allez dans le restaurant de Château. Allez chez vous, vous pouvez parler fort. Il faut voir la doyenne. Toi, tu peux parler ce fort chez le château. Dis donc, allez même chez Mamie Ja. C'est quoi? Tu es client ici. C'est quoi? Va même chez. Va où tu veux, sors de mon restaurant. Ok, quand il se fâche, tu sors de son restaurant. Tu lui fais les ennemis aujourd'hui. Demain, quand tu passes encore, elle a déjà oublié que tu étais. Ok, elle reparle encore avec toi. C'était ça la doyenne. Et il y a un truc qui m'a marqué. Pendant le Covid, pendant le fameux Covid, la doyenne m'appelle, ma fille, fais un peu la promo de ta mère. Tu sais qu'il y a le Covid, là, je n'ai plus rien. Le Covid nous a pris ici, je ne vends pas, je fais que les emporter. C'est comment? J'ai dit que non, ma mère, c'est comment? C'est rien. Je vais poster. Pendant le Covid, alors, un soir, un jour, je passe, ça va passer. On toquait pour entrer. Donc, quand tu toques, on guette, si on te connaît, c'est où on nous veut que tu entres. Et je me souviens, ma mère, la doyenne, elle a même dit que j'ai fait les travaux. J'ai fait les travaux dans mon restaurant. C'est comment? Les travaux ont été faits. Les travaux partout. Et tout, et tout. Donc, venez dans mon restaurant. Je me souviens, pendant le Covid, cette dame. Vous savez,
pendant le COVID, vous savez que c'était fermé partout. Mais c'était aussi ouvert partout. Même les watts faisaient son passe par derrière, on entre. C'est comme ça que quelqu'un passe et donne le coup de poing. Un Camerounais qu'on a chassé. Hein? Vous savez qu'il y a beaucoup là. La doyenne, beaucoup de gens pleurent la doyenne parce que elle était aussi l'autre. Comment on dit? Beaucoup de Camerounais dorment là-bas, au sous-sol. Elle a hébergé beaucoup. Ceux qui habitent chez les femmes et ne contribuent pas là. Comme la doyenne, c'est une bonne samaritaine. Quand tu viens là, dis que je n'ai pas où dormir. Attends, mon restaurant ferme, tu dors en bas. On ne peut pas compter le nombre d'hommes en costard cravate que la doyenne a hébergé au sous-sol. On ne peut pas les compter. Le nombre d'hommes qui parlent des milliards, qui dorment là-bas au restaurant, au sous-sol. On ne peut pas compter. Mimbang n'est pas seul. Mimbang n'est pas seul. Coco Mimbang, qui dort là maintenant, qui porte les oignons, n'est pas seul. Il y a beaucoup d'hommes à Paris qui traînent dans les restaurants seulement pour dormir. Parce que là où il habite, il ne contribue à rien. Il tape que le commentaire. Donc du coup, le soir, quand la doyenne ferme le restaurant, on dit que ah, ferme pas dehors. Alors tu dors là, elle a aidé beaucoup de gens. Merci Céline la doyenne. Merci notre mère. Voilà ma tenue du deuil. C'est comme ça que je serai habillée. Ça, c'est mon cabas d'une ancienne réunion là. Quand tu as payé ton cabas, n'est-ce pas, le cabas du deuil, tu pars partout avec. Même si tu sors de la réunion, si on te rembourse, n'est-ce pas, tu remets le cabas. J'ai payé mon cabas. Donc voilà comment je serai habillée au deuil. J'aurai appris que on va me taper, on va faire ceci. Je vous dis, c'est l'ultimatum. Ce n'est pas le pep. Wanadon Yami. Ce n'est pas le bep qu'on dit là. La personne qui veut, on va que dehors. Ce n'est pas qu'on va gâter le deuil de Dieu. Je dis qu'elle serait prête. Je mets ça, mais je mets le collant dedans. Je vous montre mon habit parce qu'il faut me reconnaître. Il ne faut pas dire qu'elle était cachée. À 18h, je serai assise là. Au premier banc. À 18h, je serai déjà là. Parce que le deuil là, venez tôt, il y aura un grand concert. Venez tôt. Ne partez pas vous asseoir chez vous, vous commencez à dire que... Et les gens qui aiment réserver les places des gens, qui posent les sacs sur les chaises là, ce n'est pas le concert. On ne réserve pas la place au deuil. Il n'y a pas que c'est pour ma copine qui va arriver. J'arrive, il y a une place avec le sac, j'enlève, je jette au sol, je m'assois. C'est de ça qu'il s'agit. Venez à l'heure. Ce n'est pas que vous posez les sacs, les gros sacs. Moi, je comprends pas. Vous posez les gros sacs sur les chaises. Vous réservez les chaises avec les foulards partout. Il n'y a pas de réservation. Oui, il n'y a pas de réservation. Donc, si vous arrivez, moi, je dis aujourd'hui, je suis la porte-parole sur le travail qu'on m'a donné lors de la réunion de l'organisation. Tu es la blogueuse du peuple. Ton travail, c'est d'aller parler sur Facebook. Henri Mamouza, le président de la diaspora. Voilà, il a dit, tu fais le direct et tu annonces. Ceux qui aiment Ya, qui viennent en retard pour se faire voir. Ma copine, Maman Pépé, on sera déjà ensemble, on aura notre équipe. On sera ensemble, on ne se cache pas. Oui, même si c'est pour débarrasser les bouteilles, on va débarrasser les bouteilles. On part au deuil travail, on ne part pas se faire voir. On ne part pas en tant que star, on part en tant que on go au deuil. Donc la personne qui pense, même dans sa tête, que je vais agresser Fleur de Lys ou bien je vais parler à Fleur de Lys, tu vas recevoir le cutter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je dis seulement, oh, si vous avez l'intention, ce n'est pas au deuil de la doyenne. Attendez-moi dehors. Oui, je ne me cache pas. Ou vous vous taisez à jamais. Parce que je n'ai pas fait les ongles. Je ne fais pas. C'est-à-dire que je serai là pour attendre l'encham. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'esprit de quoi. Sur moi, on dit que tu es Bamileke, mais tu as l'esprit de Yaoundé, de Bassam, de quoi. Donc là où je suis, le collant, les bottes, j'attache mon foulard. Oui, il n'y a pas que la perruque à faire que je n'aimais pas. Je dis que la personne qui va tenter, what if a person dit tenter, for do les caisses, il go agresser me, for do c'est j'ai touché une star, tu ne sortiras pas.
Wana don yami. Adon torse weti. La personne qui va essayer de dire que je vais toucher ma, parce que ma copine, maman Pépé, je suis l'agent de sécurité de maman Pépé dans les deuils. Je la protège. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui va essayer même de dire que viens à côté. Et vous qui aimez appeler les stars pour les parler à côté. Je suis une grande dame, monsieur star, on ne m'appelle pas pour parler à côté. Wana don ya. Les histoires qu'on veut te parler, je suis très respectueux, mais à l'heure, c'est même manquer le respect. Il n'y a pas que Flo de Yon veut te parler. Parce que je laisse souvent, je me rabaisse. Au lieu de gonfler comme le tapioca, je me mets à ma place, on m'appelle Flo, je vais te parler. Pour après dire que mof, tu veux me parler, tu me parles là. C'est pas que j'ai peur. Et la personne qui va essayer, quelqu'un a essayé, j'ai sorti ça ici. J'ai sorti là. Et je vais mettre partout dans les cheveux. Je vous attends. Les personnes qui parlent, on va voir comment on pose la main sur une Française dans son pays. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, la façon que vous d'abord fumer d'abord le tas. Quand vous aimez, il y a que vous fumez bah, les tas, les machins. Je fume d'ailleurs le cigare. Je vais d'abord tirer le tas. Vous devez d'abord arriver comme une bosailleuse qui a fait au moins 60 pays. Elle serait très nerveuse. Sauf avec mes abeilles. Et j'aurai mes agents de sécurité qui sont là. Et tout. La personne qui va essayer, je dis bien que même me parler mal. Je dis que la personne qui essaie même de me dire que Facebook a fait. On ne me parle pas de Facebook au deuil. Parce que vous aimez souvent. Oui, encore, oui, ma faut, je t'aime bien. Et tout, tu es ma reine, mais c'est bien. Mais si tu me dis que ma faut, pourquoi tu as fait. Si tu me dis que tu vas recevoir un coup de poing. Et mon coup de poing arrache la dent. Oui, et ma copine à côté de moi, je couvre ma copine comme la mère poule. C'est de ça qu'il s'agit. Inséparable, dit que si vous voulez essayer, vous allez voir. Vous n'aimez pas la France. Vous n'aimez pas la liberté. Vous n'aimez pas être dehors. La personne qui va essayer même de me parler mal, je suis très sauvage. Et vous montrez que je suis fille de Dobat, du quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon avertissement était quoi? Les personnes qui arrivent dans les deuils et commencent à poser les foulards, les chaises, sur les chaises, réserver les chaises avec les oreillers et tout, il n'y a pas de réservation de chaises. Vous venez à l'heure et c'est tout. Vous venez à l'heure, si vous voulez venir, vous venez à l'heure. Si vous ne venez pas à l'heure, moi, à 19, à 20 heures, je serai déjà là. Mako, on se retrouve, on boit d'abord là où tu connais là et on continue au deuil. On arrive en délégation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les personnes qui rêvent là, les personnes qui parlent trop car vous savez que le virtuel reste le virtuel. Une fille m'a attaqué dans un deuil. Je n'ai pas hésité de lui montrer que je suis une fille du quartier et que j'ai grandi en Dobat, la cité sic. Que c'est mon quartier. Je ne renie pas où je ne connais pas les Bonapriso. Afeke. Je lui ai montré que je suis fille de famille, sur respect. Tu t'essayes, tu me tentes, tu te mets là. Elle lui montre que ce n'est pas ce que vous racontez sur Facebook. Je pense que j'ai dit. Ceux qui me connaissent m'ont déjà vécu dans la vie réelle. Ne tentez pas ça avec moi. Je pleure ma mère. Et si vous voulez, vous m'attendez dehors. À la sortie, on verra ça là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ndolet Miondo, on sera ensemble dans ma bic. Comme tu es d'abord. Les Naomi Jaguar. On a notre délégation. La TKC et les abeilles. C'est la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, je voulais mettre une musique, une chanson que la doyenne aimait. Et j'ai envie de vous dire, les enfants de la doyenne ont besoin de nous. La diaspora. Et je voulais remercier la diaspora qui a fait fort, qui a contribué fort pour que le deuil de vendredi que vous allez voir, que cet enterrement soit un moment inoubliable. Parce que c'est vrai, vous savez le concept des deuils. Même si on pleure, comment on va boire et manger pour accompagner la personne. Céline Ladoyer aimait la vie. Depuis que j'ai rencontré ses enfants, que je suis allée à la maison voir Émilie et tout, mon cœur s'est...
En fait, j'ai compris que oui, réellement, il est parti. Parce que c'était un truc qu'on n'acceptait pas. Chacun a parlé, on a dit des choses parce qu'on n'acceptait pas qu'elle soit partie. Mais j'ai pris le temps d'accepter. Et c'est le chemin de tout le monde, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'accompagner, qu'elle repose en paix. Laisser les polémiques à deux balles. Oh, l'amour a fait que oh, c'est ceci. Elle est partie. Et c'est le chemin de tout le monde. Que chacun attende son jour. Mes chers frères et sœurs, j'ai envie de mettre une chanson, mais je ne veux pas vous voir pleurer. Céline Ladoyer, c'est une femme qui aimait la vie, qui a beaucoup contribué à la diaspora, qui faisait dans l'événementiel, qui préparait même sa dernière grosse soirée hein, de clôture. Parce qu'elle avait une soirée qu'elle faisait avec Bokilo, de Paris, son fils, un big up à Bokilo, sa famille, Salenko, son conjoint officiel que nous tous on connaissait, un grand frère, un père, que j'envoie aujourd'hui mes sincères condoléances. Sincèrement, j'ai pris le temps de comprendre. Vous savez, quand un malheur te frappe, comme le malheur de la doyenne, il y a trop de choses qu'on dit. Tu te comportes parce que tu es en train de pleurer ton deuil. Et nous tous, on a senti l'amertume. On a été énervés, on a compris. Mes chers frères et sœurs, je vais mettre une chanson de Maman Gaya là, et je vais prendre mon verre en main. Je suis occupée, je te rappelle, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais mettre une chanson que la doyenne aimait bien. C'était Maman Gaya. Oh là là. Oh, mon Dieu, la vie. La vie, c'est zéro. On se dispute même quoi sur la terre, non? Quand je vois même tout ce qu'on fait sur Facebook là-même, vraiment, c'est juste que c'est le game, mais qu'est-ce qu'on se dit? La vie, c'est quoi? C'est rien. On n'a pas besoin de se haïr. Pour être vu, on n'a pas besoin d'avoir la haine, vraiment. On n'a pas besoin d'être haineux, de montrer, non. Parce que on a compris que la vie, ce n'est rien. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Peut-être que vous me voyez un peu dans mon silence depuis là. Vous dites, ah, Fleur de Lys, pourquoi ne fais pas ça? C'est juste que, non, vraiment, sincèrement, je préfère que je parte d'abord. Eh, à la doyenne. Notre amour ne tient plus debout. Toutes vos promesses d'amour se sont plongées dans l'eau. Tiens, tiens, à moi, n'y pondé au djinné, les naïe. Aho, l'angoué, m'a dit, moi, et béni, pour y jonger. A sera un domé, béni. O se, y'a que des bandeaux. Et y'a que au bon à avancer. La vie n'a d'où la joue, et t'y vivre, t'y va tonter. A que t'as un souvent de l'eau, ma t'y vivre, quoi, ma t'y va. Dans mon cœur, j'avais beaucoup aimé. Maman Pépé, Makota, tu connais le père des abeilles Junior, non? Attends, c'est lui qui tape le tam-tam à Paris, là. Oh là là, ton grand frère qui tape le tam-tam à Paris, là, comment il s'appelle? Qui tape le Benz, qui tape le tam-tam, là? Makabo. Pardon, Maman Pépé, il faut dire à Makabo de venir avec le père des abeilles Junior. Parce qu'il doit faire la sécurité de Mafo, le père des abeilles Junior. Il faut qu'il soit au deuil. Le gars la donne à boire jusqu'à... non, le père des abeilles Junior, je lui fais un big up. J'espère que Choukré sera là. Choukré, il faut que tu sois au deuil. Hein. Le Choukré des Choukré. C'est de ça qu'il se... Tu peux pas manquer le deuil ici. Parce que hein, Choukré... pardon, prépare-toi. Il y a l'encham. Donne les coups secs. Parce que... tu sais que... Choukré, là-bas, non? Le deuil de la doyenne, il y a tout le monde. Eh bah la Brasso. Eh bah les Patriotes. Eh bah les CIO. Il y a tout le monde. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Choukré... Choukré,
Et tu sais qu'on deuil, les gens écartent. Non, on va pleurer, maman. Mais quelqu'un peut trouver son bonheur, mon frère. Moi, je mets le kaba. Sans kalekoum. Donc, si il y a un pâté des abeilles qui me fait, sauf que le couloir, j'écarte, je donne, on m'attache et je pisse sur ça. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, si je trouve un odeuil, odeuil pendant que d'autres pleurent, maman, il y a des gens qui se cherchent, il y a les waka, odeuil plein, quoi. Les gens qui. Vous croyez que le deuil, c'est encore le genre là? Les gens arrivent, au lieu d'avoir aller faire mon make-up. Oui, je fais mon make-up, je prends ma corde, je mets dans mon sac, je vais trouver quelqu'un qui va m'attacher. Et c'est à quoi? Et la personne qui est que boum, fleur de lys, je sors la corde, je t'attache. Voilà, donc il y a. Il a dit que je vais sortir avec ma corde, je m'en vais au deuil, je jette ma corde. Je vais marcher avec la corde au deuil. Donc quand je traîne comme ça au deuil là, quand on tape le besque, je sors seulement avec ma. Je sors seulement avec ma corde marron du sac. Oui, je vais marcher avec ma corde marron. Il n'y a pas que wow, nous sommes au deuil. Le game, non? Le game, c'est le game. Est-ce que pour attacher la chèvre, est-ce qu'il y a l'endroit? On peut attacher partout. Je vais sortir avec ma corde. Voilà. Si j'avais même une corde là, mais bon, ça va. Je ne sors pas la corde. Ma corde, c'est pour le deuil. Ma corde marron. Je pars avec ça. Je vais défiler dans la salle avec ma corde. Quand vous aimez entendre que les gens font la provocation, la personne qui a le... Qui, on va dire que tu fais ça. Que fleur de lys. Il faut venir m'attaquer. Vous avez compris, non? J'ai dit quoi? Je vais marcher avec ma corde. Et la personne qui a mal au cœur vient m'attraper. Et on verra ce qu'on va voir. Maman, on ne m'a pas encore vu dans quelle position. Si je tombe, si on m'arrache ma perruque, ça fait quoi? Est-ce que c'est une tricheuse? Hein? J'ai dit que je sors avec ma corde à la... Je pars au deuil avec ma corde. Je vais trouver ma... la force du manque. Oh, la force du... Oh, là, on va tout voir. Oh, les fantasmes de ça. Maman, la force du Bangala. Maman, la force de. Que quoi? Fleur de lys, attends d'abord, on finit de pleurer le deuil. On finit de pleurer le deuil, on commence maintenant Facebook. Moi, j'ai fait ma période, tout ça là. Même le kaba que je mets là, ça c'est une kaba d'une mauvaise réunion que j'étais entrée. Je porte ça. Oui, j'ai payé. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc on va me déshabiller. On dit que bon, tu es une quoi? Oui, je suis une quoi? Pour les problèmes, non? Je suis une fine quoi? Oh, ah. Donc, mon cabassi, je porte d'abord ça. Oh, ah. Et pas m'asseoir. Entre temps, j'aurai les habits dans la voiture. Si on déchire, je vais pas chercher l'autre porte, non? Mais attends, les filles du dehors. On a tous les chaussures et les habits derrière la voiture. Et s'il y a quoi? Si on déchire, ça fait quoi? Je vais porter le kaba. J'ai payé mes dos. J'ai payé mes dos et c'est le kaba du deuil. Je porte. Quand tu pars à la rayon, tu pars avec ton habit, non? Et s'il y a quoi? Si tu pars de la rayon, j'ai vu une personne sur Facebook, une certaine chose là qui ne passera même pas au deuil, bien sûr. Elle va fêter son deuil derrière Facebook. Elle va pleurer la douleur derrière Facebook. Parce que nous l'attendons là-bas. Pas le bébé, bébé. Une coute, coutelina. Une femme que... Pour la première fois de sa vie, qu'elle part en Suisse. Coutelina, tu me parles. Tout Paris sera au deuil. Tu seras où? Hein? On t'attend. Avec tes pieds noirs comme les pieds d'une femme qui était au Congo. Ça dit qu'on dirait que la grenade du Congo t'a lancé. Coutelina, on disait qu'on a explosé. Des...
Pendant que nous sommes déjà sur Facebook pour clasher, il faut venir au deuil. Tu fuis pourquoi? Tu as dit que tu es warrior sinon, il faut venir. J'ai dit que pas avec toi. Donc tu me dis, je te prends, on va. Avec tes noix, puis on dirait que la grenade est explosée. C'est comme les bombes qu'on jette comme ça là qui fait. On dirait que ça a explosé sur ses pieds. Les chaussettes de ça. Kinkam. N'importe quoi. Non, n'ouvre plus moi. N'ouvre plus ta bouche pour prononcer mon nom. Tu pars où? Qui t'invite? Hein? Kinkam, kinkam. Regarde là. On t'attend. On part au deuil. Tu me dis, je te prends. Avec tes noix pieds, les chaussettes, tu enlèves ça. Avec ses pieds à terre, on dirait qu'elle cultive le manioc. N'importe quoi. Pour une première fois qu'on l'invite boire en Suisse, elle part avec mon nom dans sa bouche. Tu prononces mes abeilles pourquoi? Hein? Tu prononces mes abeilles pourquoi? N'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'appelles un coup là-bas, avec, c'est toi qui nous as dit ici. Ah, ah, oh, les cris de ça, oh, la personne qui a ma part de vidéo de Nias, pardon, envoyez-moi, j'ai envie d'écouter comment je pleure pour faire la comparaison. Parce que quand Facebook revient là, on va faire les comparaisons des pleurs dans la Nias. On va voir qui pleure avec. Qui pleure, c'est. Ah, oh, je vais te faire un bébé. Je vais te faire. Maman. Oh, la Nias, le pouvoir de la Nias de ça, oh. On attend. C'est quand on parle comme ça, non? On se voit vendredi. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Mais Jean, le but du direct, si normalement, c'était pour vous dire que blessé de guerre recommence. Hein? Blessé de guerre, c'est dimanche prochain. Ce dimanche, comme nous sommes dans la semaine, dimanche blessé de guerre. Un homme aux États-Unis a posté sa photo et la photo de la femme. Un homme aux États-Unis qui est venu profiter des papiers. Mes chers frères et sœurs, il a eu ses papiers. Il veut maintenant la maison. Adam, on peut profiter d'une femme comme ça. Il est aux États-Unis. Un beau qui a fait 50, 100 pays. Il est arrivé aux États-Unis. Il a trouvé ma cousine, une fille Chang. Vous connaissez que nous, les filles Chang, nous sommes bonnes pour le mariage. Je suis la seule qui n'est pas mariée, qui a été. Mais sinon, les filles Chang sont calmes. Je suis la seule qui fait le bruit. Il est tombé sur ma soeur et tout. Dans l'amour, maintenant, il y aura le tribalisme. Chacun cherche son frère. Chacun va aller épouser sa soeur. Vous comprenez avec quoi? Un gars qui a fait les pays et pays, il arrive aux États-Unis, mes chers frères et soeurs. Il tombe sur ma soeur naïve. Vous savez que les filles Chang d'avant, elles sont villageoises, elles sont calmes, elles aiment le mariage pour la famille. Elles ne sont pas les gringos comme moi. Le gars, un beau gars, Bassa. Hein? Un beau gars, Bassa, maman. Il commence à parler les pastos à ma soeur. Oh, comment il est bien et tout et tout. Il n'a pas les papiers. Le gars là n'a pas souffert pour avoir les papiers. Il n'a pas souffert même un peu. La ligne sera ouverte et ses amis vont témoigner. Mes chers frères et sœurs, il lance le plan d'attaque. Il commence à dire qu'il aime ma soeur. Voilà ça que la fille l'épouse. Adama, il a eu ses papiers. Il est au pays en train de vouloir épouser une autre femme. Et il veut rendre d'abord ma soeur folle. Parce qu'il veut la moitié des biens. Ça, c'est dimanche. Mercredi, on poste ses photos, les photos de la fille. Parce que maintenant, en amour, on va jouer le tribalisme. C'est ça que vous voulez. On ne veut pas ça. Parce que le Cameroun est indivisible. Moi-même, là, je ne suis même jamais sorti avec un gars Bams. On ne veut pas entrer dans l'amour avec le tribalisme, gars. Tu peux faire ça à ta soeur? Non. Donc, les frères et soeurs, on va le témoigner, on va l'exposer. Tout le monde va le voir avec les complices, sa tante qui vivait ici à Paris, que sa vie a raté. Elle a raté ici sa vie en Beng. Elle a fui aux États-Unis. Son mari même, c'est un gars qui est tiré comme la chèvre, qui est son travailleur sans salaire dans la maison. Elle a donné le plan d'attaque pour avoir le Kaolo. C'est de ça qui ça.
il s'agit. C'est de ça qu'on va raconter dimanche prochain. Retour de blessés de guerre. Une émission qu'il n'y a pas deux qui dépassent blessés de guerre. Que des vrais témoignages. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, Maman Perpé, normalement, je n'avais pas l'intention de faire le direct. Mais j'ai fait ce direct pour appeler la TKC. Pour faire appel à la TKC. Vous avez fauté. La TKC de Maman Perpé. Maman Perpé est votre patronne. On ne critique pas sa patronne ou son patron en privé. Quand Paul y parle, qui parle? On ne contredit pas le gouvernement. C'est de ça qu'on ne contredit pas le gouvernement. Maman Perpé, vous n'avez pas le droit à la TKC. On ne contredit pas sa patronne. C'est comment? Vous ne connaissez plus de quel côté vous êtes. Maman Perpé, c'est ma co à vie. N'en déplaise. Mais elle a sa team. Et sa team, c'est la TKC. Et vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer votre patronne en public. Ça se fait où? Dans quel gouvernement? Hein? Vous vous permettez de faire le chantage. Une star n'est rien sans sa team, c'est vrai. Mais vous aussi, vous n'êtes rien sans elle. Ce soir, c'est ce que je voulais dire à la TKC. Il faut soutenir sa patronne. Et quand on a dit à sa patronne, on le dit en privé. Vous n'avez pas le droit de lancer un live pour critiquer la position. Vous connaissez ce qu'il y a? Il y a une grande réalité entre la vie privée, la vie réelle et la vie virtuelle. Beaucoup d'entre vous, vous soutenez Maman Perpé, vous ne l'avez jamais vue. Vous l'aimez à travers Facebook. Vous l'aimez d'un amour sincère. D'autres l'aiment pour la haine et pour les problèmes. Parce que nous avons remarqué, quand on fait les problèmes à certaines personnes, vous êtes contentes. Mais est-ce que vous vous mettez à notre place? Est-ce que des fois, vous pouvez nous vous mettre à la place de vos stars? Ce n'est pas facile de prendre sa caméra. Ce n'est pas facile de montrer au monde entier qu'on déteste une personne. Peut-être au fond, tu ne détestes pas la personne. Mais on ne peut pas tout montrer qu'on déteste telle pour ses fans. Pourquoi? Vous ne pouvez pas nous rendre haineuses parce que ce n'est pas nos vies, parce que nous ne sommes pas comme ça. On ne peut pas continuer à faire des choses pour vous plaire. Laissez vos stars s'exprimer. Vous ne pouvez pas nous transformer. Derrière Facebook, nous sommes humains. Nous avons des familles. Nous avons des amis. Nous avons même des amis en commun. Même nous, on est là, on ne se parle pas. On s'engueule sur Facebook. Mais on a des amis en commun. Oui. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les problèmes n'avantagent à personne. Surtout pas nous, parce que vous, vous êtes invisible. Vous êtes derrière Facebook. Derrière chaque profil est caché un être humain avec un cœur. Mais vous ne pouvez pas prendre notre place. Vous ne pouvez pas être à notre place pour savoir comment on nous jette les pierres. Pour savoir comment ça fait mal d'être traîné comme une personne qui est haineuse, comme une personne qui déteste les autres, alors que, au fond, ce n'est pas ce que nous sommes. Maman Perpé a pris la position. Pourquoi vous voulez toujours qu'on va vers le vent? Pourquoi vous voulez toujours la stratégie de guerre? La guerre, c'est la stratégie. Il ne faut jamais réagir comme l'ennemi attend. Quand l'ennemi attend que Flor de Lis va insulter tel, c'est là où Flor de Lis ne doit pas insulter. Parce que quand vous faites ça, vous donnez raison à l'ennemi. Vous êtes de quel camp? L'ennemi vient dire que Maman Perpé va clasher tel, Maman Perpé va clasher. Vous connaissez ce que c'est qu'une marraine? Vous les Africains, vous ne connaissez pas ce que c'est que marraine. Marraine, c'est un engagement devant Dieu et les hommes. Quand une personne est marraine d'un enfant. Vous savez, en Afrique, marraine, c'est juste le nom. Tu as un parent qui est riche, un oncle, tu dis qu'il est ton parrain, mais il ne t'a même jamais côtoyé, tu ne parles jamais chez lui. Mais ici, en Europe, quand on dit parrain ou marraine, c'est que tu dois être dans la vie de cet enfant.
La définition de marraine en Afrique et en Europe, ce n'est pas la même chose. En Afrique, c'est juste quand c'est le baptême. Pour baptiser, juste comme ça, pour se faire, juste comme ça, pour dire que mon marrain. Mais ici en Europe, le parrain ou la marraine d'un enfant est une personne qui participe dans la vie de cet enfant, vraiment qui participe. Si vous connaissez ce qu'on appelle ici, vraiment, vraiment les gens qui sont marrains en Europe. Mes chers frères et sœurs, Michel Essomba qui est la fille de Maman Perpé. Quand on parle de fille, Maman Perpé ne peut pas l'accoucher. Jamais. Si on pavoie, ils ont le même âge. Quand on dit ma fille, c'est par respect. Michel Essomba, pour qui Maman Perpé est entrée dans la guerre facebookique? Parce qu'elle est venue défendre une personne que moi, c'était mon ennemi numéro un. C'est ça qui m'a mené sur Facebook. Parce que c'était ma copine avant. On ne revient pas au passé. Moi, on ne peut pas faire le futur sans revenir au passé. Elle est venue sur Facebook soutenir cette personne qui était malheureuse. Parce que ce n'est pas une personne qui s'est fait les directs. À l'époque, il n'y a pas de direct. C'est une personne qui ne s'est pas fait les directs, qui est très calme. Mais je la connais. Comment elle fonctionne. C'est une personne qui est facilement manipulable. Oui, elle est facilement manipulable. Il y a des personnes qu'on ne peut pas frotter, on ne peut pas fouetter publiquement, mais qu'en privé, tu dis à la personne ce que tu penses, tu prends tes décisions. Il y a un problème sur la toile. Entre les hommes qui, les nouveaux, les Facebookers, là, les hommes, quand le mariage finit, ils amènent les problèmes sur Facebook. Qui est Atahana? Qui est marié, le mari, qui était, puisqu'ils sont divorcés, le mari de Michel, la fille de Compressor. Elle est témoin vivant de cette relation. Elle sait comment la relation s'est passée. Elle connaît tout de cette relation-là. Elle est libre de prendre position. Elle a décidé de soutenir Michel. Et vous, sa team, vous devez être derrière. Même si vous ne soutenez pas, vous vous taisez. Oui, parce que dans les choses comme ça, Facebook est calme. Les gens veulent entendre les choses, les gens veulent écouter. Certains hommes ont décidé d'être nouveaux blogueurs. Que quand les problèmes finissent dans le mariage, ils viennent exposer sur Facebook. Maman Pépé a pris position. Elle n'a pas pris position parce qu'elle accepte tout ce que Michel fait. Elle sait ce que Michel a fait pour elle dans sa vie et pour sa fille. Et surtout que Michel est la marraine de l'enfant de Compressor. Elle pense au bon moment. Elle ne doit pas seulement regarder parce que elle est partie chez les ténébreuses. Non. Parce que ce que les ténébreuses attendent, c'est qu'elles clashent. Mais comme la guerre, c'est la stratégie. Il ne faut pas tomber dans les mains. Peut-être si les ténébreuses n'attendaient pas qu'elles clashent, elle aurait peut-être clashé. Mais comme c'est ce que les ténébreux attendent, on fait le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la guerre. Nous, on a gagné les guerres. Par stratégie. Nous, les abeilles. Parce que maintenant, il y a quoi? Il n'y a plus de guerre. Il n'y a rien. Là, c'est l'amusement. On a tiré à balles réelles. La guerre, c'est la stratégie. On ne sautille pas pour rien pour sautiller. On regarde l'ennemi agir. Quand l'ennemi est calme, tu viens. C'est comme ça la guerre. Pourquoi Maman Pépé va venir clasher et soutenir le mari? Non. Elle soutient sa fille. Et ce soir, je voudrais lui dire, ce qu'il y a eu entre Michel et moi fait partie du passé. Il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Je ne peux pas revenir derrière. J'aimerais lui dire aujourd'hui, Maman Pépé, si tu dis va, je vais. Ma faux va. Ma faux va avec les abeilles qui veulent. Et ceux qui ne veulent pas, ils s'abstiennent. Parce que après tout, Maman Pépé a sa team qui est la tête cassée. C'est vous qui devez être derrière Maman Perpé. L'accompagner. Et quand vous ne voulez pas l'accompagner, vous vous taisez. Pourquoi elle va insulter Michel? Pourquoi chaque fois quand l'amitié finit, il faut venir sur Facebook? Elle a décidé que en ce qui concerne Michel Essomba, elle ne viendra pas sur Facebook. Elle a accepté. Oui, parce que c'est vous les premiers à dire oui, dès que l'amitié finit, vous amenez toujours sur Facebook. Elle a décidé de ne pas amener sur Facebook.
Aujourd'hui, on présente des amis. Tu peux présenter des amis. Un ami aujourd'hui, demain, les gens ne s'entendent plus qu'avec toi. Elle a présenté, elle ne pleure pas l'ami. Elle a dit, elle réitère, Michel n'est pas son ami. Eux, ils ne montent pas, ils descendent. Ils ne traînent pas dans les business ensemble. Ils ne montent pas, ils descendent. Mais quand il y a un événement qu'elle peut partir, elle part. Ils se voient, ils prennent le verre. Mais ce n'est pas son ami. Jamais elle ne va pleurer un anniversaire que Michel a fait ou quoi. Même si elle avait fait, elle n'est pas obligée de l'inviter. Ce n'est pas obligé. Elle peut inviter maman, papa. Elle lui dit, non, je n'ai pas le temps. Mais elle n'est pas obligée de venir sur Facebook dire que Michel m'avait parlé. J'ai dit que non. Parce qu'il s'agit du privé, mes chers frères et sœurs. Il s'agit du privé. Michel, c'est une fille qui est naïve. Oui, elle a fait des choses. Elle a parlé. Elle a dit ce qu'elle a pu dire. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais vous avez vu comment elle était ridiculisée. Elle était ridiculisée. Ma pépé ne peut pas venir rajouter. Puisqu'elle a été lavée et rincée. Elle était ridicule. Moquer les moqueries. Mais attends. Parfois, apprenons un peu à prendre un peu de retenue. Oui. Michel, tu as quelque chose à dire sur Facebook. Tu pars sur le mur de compresseur. Quelqu'un dit quelque chose que tu ne veux pas. Toi, tu écris. Les Camerounais n'aiment pas lire. Toi, tu écris les Bibles. Nous, on n'aime pas trop lire. Nous, on aime écouter le direct. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas faire le direct. Ta mère, qui est compresseur, a un mur. Tu vas répondre là-bas. À tout moment, tu l'appelles que lance le direct. Je vais témoigner. Parce que ce que le gars l'a dit. Je vais répondre. Elle va lancer le direct. Tu vas parler. Si maman Pépé n'est pas disponible, je suis disponible. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème en ce qui concerne ça. Tu n'as pas à venir faire le direct pour répondre. Ton ex-mari a parlé, mais c'était tellement ridicule. Parce qu'il ne sait pas. Le direct, ouais, c'est un travail. On apprend à faire les directs. Il faut retenir de l'audience. Tu peux faire 5 heures de direct. Tu racontes quoi? Donne-nous les choses qui chauffent. Toi, tu c'est qu'elle avait sauté, son pied s'est cassé, mais on veut savoir les choses. Où tu racontes, où tu te tais jamais? Qu'est-ce que tu racontes vraiment les hommes de Paris? Comment un homme peut dire devant le monde entier que tu accompagnais ta femme pour faire escorte? Mais attends, tu es un proxénète? Quel homme digne, mes chers frères et sœurs? J'aimerais vous dire ici, à tous ces hommes qui se forment à être gigolos, vous savez, un gigolo, c'est quelqu'un qui est d'abord la tendresse, qui est doux et qui porte le sac de la femme. Ça s'apprend, il est propre, il sent toujours bon. Vous pouvez demander les premiers gigolos de Paris. Ce sont les conteneurs d'hommes. Et un gars qui broute, un brouteur de tote. Quand il se met dans tes jambes, il te broute, ta tête jette l'air. C'est ça. Ce n'est pas un gigolo qui ne se rase pas, il ne sent pas bon, il est assis là comme un clochard. Non, un gigolo, c'est quelqu'un qui est d'abord propre, qui a son capital. Et son capital sert à quoi? Acheter son parfum, ses chemises et ses habits. Et tu viens seulement augmenter. Tu vois que le gars est propre, il se brosse, il sent propre, il met tout, il marche avec le parfum. Il se met tout le parfum, il sent bon, c'est quoi? Il a les parfums attirants, tout ce qui va avec. C'est ça un gigolo. Les vrais gigolos de Paris ont fait mal. On fait fort. Et aucun vrai gigolo ne peut jamais venir parler sur Facebook. Ça, ce sont les apprentis. Il faut aller voir Vimbala. Il vous forme dans la formation. Votre grand maître des maîtres. Votre grand maître des maîtres. Ça, ce n'est pas être gigolo. Ça, ce n'est pas un gigolo. Un vrai gigolo. Il ne répond pas. Il s'assoit, il regarde, il est calme, il guette. C'est ça. Ce n'est pas que dès qu'on dit un, il vient là, c'est que j'avais fait, que j'avais fait que. Et le direct que tu as fait à l'époque quand j'étais encore jeune. Dans ton taxi, tu transportais derrière les filles. J'ai connu les filles que tu transportais derrière pour déposer dans les maisons du Waka. Tu as toujours été un homme qui transporte les pimentières. Tu as goûté l'argent. Tu pleures. Je m'adresse à ce monsieur. Tu pleures l'argent de la pimenterie. Parce que quand tu vois une fille qui gagne 10 000 euros par mois, quand tu faisais le taxi. Une fille qui te donne les 7000 euros de garder, tu pleures l'argent pour acheter les lunettes de soleil de marque. Les lunettes que tu portes là, c'est elle qui t'a acheté les lunettes là. Hein? Ça fait un an que tu n'as pas payé le loyer.
pleure quoi? Mais allez travailler. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que ces hommes-là? Mais allez travailler. Vous, les hommes de Paris, allez travailler. Arrêtez de vous faire ridiculiser par les femmes. Mon frère, c'est un homme qui travaille. Quelle femme va jeter tes choses par la fenêtre? Mais lève-toi, va travailler, bon sang. Va faire gardiennage. Tous les gigolos de Paris travaillent. Les gigolos connus de Paris sont... Ils ont fait la formation de s'occuper, la sécurité. Ils sont dans la sécurité. Aucun gigolo maintenant. Tu demandes les vrais gigolos qui buvaient le runard. On va te dire. Et tu es tombé derrière une payeuse. Tu es tombé derrière une fille. Moi, je l'ai connue, Michel. C'est une fille que j'ai marché avec. Oui. Elle donnait à son gars 2000 euros la semaine, plus 3 bouteilles de runard à l'époque du Foufou Club. Tu entends, je vais avec fierté, je m'en vais envoyer à mon gars. Tu entends le gars au téléphone. Oui, j'ai déjà retiré. Tu l'entends. Et quand tu arrives, les vrais gigots de Paris, il ne t'assoit pas avec toi. Tu es tombé derrière une fille qui a pris 200 000 euros à un blanc, vous avez mangé. Est-ce que les vrais gigots de Paris, tu t'assois avec lui? Non. Parce que quand tu arrives d'abord, demandons pas vous dire Foufou Club. Il a sa table, il a ses coupes du monde qu'il a lit, il boit ses champagne avec ses amis, c'est tout. Tu es loin de lui. Vous voyez dehors ou à l'hôtel. Il prend 2000 euros la semaine. Elle payait. J'ai vécu ça. Elle m'a appris à donner l'argent aux hommes. J'ai donné une fois. Moi, je suis allé encore arracher. À l'époque, le boxeur, je suis parti. J'avais un peu mes dos. Elle me dit, donne l'argent à ton gars. Je connais cette fille. Parce que c'est une fille qui est, elle aime donner l'argent aux hommes. Je la connais. Tu la vois, je vais acheter, j'ai acheté la voiture à mon gars, 22 000 euros. Tu regardes l'engagé. Non, elle travaille pour les autres. Donc, ça veut dire qu'elle est fière de travailler pour son gars. Tu as trouvé une fille naïve comme ça, qu'elle n'a pas de parents qui souffrent, elle n'a rien. Donc, elle n'a personne au Cameroun à s'occuper. Donc, son argent, elle travaille. Tu entends, je vais acheter la nouvelle voiture à mon gars à 22 000 euros. J'ai déjà envoyé. Tu entends comment elle envoie l'argent au gars. Elle m'a entraîné dedans. Je me souviens, mes chers frères et sœurs. Un jour, j'étais avec elle. Je souffrais de l'amour d'un gars qui m'angoissait. Parce que les gigolos dorment chez les marabouts. Ils pratiquent sur les femmes. Je souffrais d'un amour d'un gars qui m'angoissait. Elle m'a dit, mais envoie-lui de l'argent. Je me souviens. Le gars m'avait bloqué de partout. Elle a dit, oui, je t'accompagne, envoie-lui l'argent, il va te débloquer. Je suis allée envoyer à la poste 1500 euros. Hein, non, maman. Entre-temps, ma mère est au pays, que quand elle me parle d'un problème, quand tu es déjà avec un gigolo, il te coupe. Ça dit que quand ta mère te demande, ton corps commence à faire comme si elle t'a piqué. Tu commences à dire, je n'ai pas. Mais quand le gars te dit, ça veut dire que tu donnes en suppliant. Mes chers frères et sœurs, je suis passée par là. J'ai donné, je suis allée envoyer. Quand j'ai envoyé le code, je t'ai envoyé à la poste. Il m'a dit, attends, je te débloque. Il m'a débloqué, il m'a parlé un peu. Allô, oui, tu vas changer. C'est-à-dire que les gigolos sont professionnels. Ils te prennent comme si tu étais son enfant. Tu es sûr que tu vas changer. Si je te débloque, oui, je veux changer. Pardon. Je veux changer. Oui, tu m'appelles à quelle heure? Tu m'appelles à quelle heure? Pardon. Il dit, attends, je vais taper, ne pleure plus. Pardon, des blocs. Elle est amaigrie. Pardon. Ouais, je vais déjà mourir. Dit que, non, tu sais que je t'aime, mais tu es trop têtu. Ouais, pardon, j'ai encore fait quoi? Maman, je lui ai dit, c'est elle qui m'a accompagné à envoyer 1500 euros. Après, elle m'avait encore accompagné à envoyer 500. Ça fait déjà 2000. Je lui ai dit que. Il ne m'appelle pas toujours. Attends, il va t'appeler le bousque. Il dit que mais j'ai envoyé l'argent, il ne m'appelle pas. Allô? Ouais, pardon, appelle-le. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un m'enroule, excusez-moi. Je vois, mais quand le gigolo te prend, quand je vois quelqu'un passer, bonjour, excusez-moi. J'ai perdu mon téléphone, je voulais appeler mon frère. Je prends. Allô? Allô? C'est moi, dès qu'il attend, il te bloque. Tu es encore. Tu peux acheter le téléphone avec la puce. Tu mets. Tu l'appelles encore. Tu le sens encore. Allô? Pardon, débloque-moi. Il dit que pourquoi tu m'appelles? C'est pas parce que je ne veux pas ton argent. Maman, je connais cette fille. Elle m'entraînait à donner aux hommes. Maman, quand ma sagesse, quand je me suis séparée d'elle, mon cerveau s'est remis en place. Moi-même, j'ai dit au gars que
Comme tu m'appelles pas, remets-moi mes dos. Je me suis déshabillée à Lille. En plein 14 heures. Le gars, il m'appelle animaux masqués. Maman, vous voyez comment les gigolos font souffrir les femmes? Il m'appelle animaux masqués. Quand je vois un animaux masqués, je saute sur ça. Quand je dors, je me réveille. J'ai commencé à voir. C'est moi qui rends le muscadot cher. Quand je parle d'histoire, les gens ils parlent d'abord pour moi. C'est moi qui fais que le muscadot devient cher. Parce que j'ai commencé à boire ce truc de muscadot. J'étais maigre comme ça. La dépression mélangée avec tout, maman. Hey, c'est vous qui voyez que la dépression pour les blancs. Hein? Même les noirs dépriment pour l'andolo, maman. Quand son grimba est fini, maman, moi-même, j'ai cherché. Quand il... hey, tu sais quoi? Arrête de m'appeler. Hein? Je suis déjà mariée. Que tu es mariée. Hey. Donc tu m'as dit que... non, je suis avec ma collègue. Que c'est comment? Tu acceptes même que tu es deuxième. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles alors à quelle heure? Quand elle va dormir, je dis que à quelle heure elle dort? Ne m'appelle pas trop. Ne me harcèle pas. Maman, j'ai souffert. Quand je me suis réveillée, j'ai moi-même, je lui ai dit que, excuse-moi pour ce voir, tu me remets mon argent. Il m'a dit, oui, oui, viens prendre ton argent. Il croyait que c'était la blague. Eh, viens prendre ton argent, hein, je ne veux même pas. Je dis que, ouais, ok, il n'y a pas de problème. On se voit à quelle heure? Je veux que tu me rembourses. Oui, tu viens d'abord avec un témoin. Je dis, il n'y a pas de problème, appeler un témoin. Il m'a donné rendez-vous en plein Euralil. Euralil, c'est le carrefour, hein, le supermarché, là où, quand il croyait que quand il va me barrer, je vais pleurer là-bas, tomber, évanouir, tout le monde va me voir. Maman, quand ils sont arrivés, ils étaient venus, que mon cœur était bien serré. Ils sont arrivés, ils disent que. Quand je l'ai vu, il m'a regardé comme ça, j'ai senti que. Le gars, s'il fait comme s'il veut que je laisse, on continue. Je suis allée m'asseoir, je lui ai dit que. Il m'a dit que. Tu veux ton âge, il dit que je veux. Il dit que tu as le témoin, il dit qu'elle va arriver, il n'y a pas de problème. J'ai appelé Tata Lily, Tata, pardon, tu peux venir en rallye, j'ai un problème avec. Elle est venue. On est parti d'abord à la poste, non? Tu sais que la banque, la poste donne 800, hein? Si tu n'es 800. Il a donné d'abord, j'ai mis dans le sac. On a encore changé, j'ai dit que... Il dit que tu veux que te, tu veux que je... J'ai dit que... Donne-moi! Le gars lui même pas. Il dit quoi? Il dit que donne-moi, on change de poste. Ah, changeons. On a encore traversé, on a encore allé là-bas, il a encore pris 800, ça fait 1600. On a là, on a dit qu'on ne donne plus. Voilà, je suis sortie maintenant, j'avais les ciseaux. Je l'ai fait ça dur. J'ai enlevé ma perruque, je me suis assise au boudron, commencé à pleurer. Oh, le gars m'a barré. Oh. Mais c'est fini comme ça, son grimba est fini ici en bain. Mes frères, mes soeurs, ayez la force de dire au gigolo que. Ayez la force de dire que c'est fini. Quand un gars te dit en premier que c'est fini, tu as trop mal. Maman, un gars qui ne te respecte pas. Il faut dire que je ne suis plus avec toi. Ma copine. Ma co a barré mon père. Oh. Ma co a dit à mon père un jour. Elle a dit à mon père que c'est bon. Continue à porter tes habits de gars doigts là. Tu mets ton parfum, tu pavanes, tu tournes, tu pas boire ton champagne. Je ne suis plus dedans. Elle a barré. Pour un gars qui travaille. Voilà. Michel, elle a barré le mariage. Vous croyez que quoi? C'est vous qui forcez les gens à aller se marier. Vous êtes tout le temps, oh, va te marier. Une vieille fille comme toi, vous nous forcez à nous marier avec les hommes qui ne nous aiment pas. Et on dit non. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mes chers frères et sœurs, mes copines, quand ça ne va pas, tu mets le gars dehors. Il ne paye aucun loyer, il ne contribue pas. Tu le chasses, même si c'est le père de tes enfants. Arrêtez les conneries là. Quand vous êtes avec les blanches, mais quand on parle même franchement, vous les Africains, vous êtes en Europe même, et vous comportez toujours comme au pays. Un gars ne contribue pas, il peut faire sa vie blanche. Nos frères africains là, vous ne faites pas ça avec les blanches, jamais. Hmm? Les blanches que vous mangez, que la sauce tomate tournée là, vous ne faites pas ça aux femmes boîtes, jamais. Parce qu'elle va te dire, écoute, c'est terminé, je veux plus, tu sors de chez moi. Et elle te met dehors. Et elle prend ton ami, elle commence à vivre avec. Et tu ne tapes pas le scandale. Vos frères sont là dehors, que vous voyez, certains Africains que vous voyez. Ils parlent seuls. Ils sont assis dans les restaurants. Parce que les femmes blanches ont fait fort. Quand ça ne va pas, la femme européenne ouvre la porte. Elle te dit, c'est terminé, tu te mets à la porte. Quand tu veux croire que tu es, ouais, s'il te plaît, pardonne, je t'ai déjà trop pardonné, c'est terminé.
Les enfants, tu les prends le week-end, on verra chez le juge. Rendez-vous chez le juge, je négocie pas. Parce qu'avec les blancs, on ne pleure pas. Le blanc ne connaît pas que j'ai pleuré, machin, tout ça. Il te dit, c'est terminé. T'es pas sérieux. Tu fous le camp. Et deux jours après, tu vois ton meilleur ami qui venait rester chez toi. Il commence à venir t'asseoir ici. Il passe, il vient s'asseoir, il boit, il raconte ta vie. On a vu les blessés de guerre, hommes ici. On a eu un blessé de guerre, un Camerounais que je connais qui est de Kribi. Son meilleur ami enceinte sa femme boîte. Il faisait les 400 coups ensemble. Comme il était dehors, il traînait encore avec les filles noires. Le gars, la blanche a dit, c'est terminé. Tu m'insultes, tu me traites de grosse. Bah, va vivre avec tes filles qui sont minces, il n'y a pas de problème. Tu te casses de chez moi, te mets à la porte. Elle te met à la porte, te fout à la porte. Pourquoi quand c'est une noire qui met un gars à la porte, ça fait autant de bruit? On ne vous voit pas vous plaindre qu'on a qu'une blanche a chassé un noir. Pourquoi vous plaignez quand c'est une noire qui vous met à la porte? Si vous êtes des incapables. Mais attends, fichez la paix aux gens. Ces bandes de gigolos là qui vivent chez des femmes en Europe, mais il va construire la maison au pays. Tu ne peux pas contribuer 350 euros par mois. Tu ne peux pas contribuer, mais tu construis la maison au pays. C'est toi qui as les projets. Vous enceintez les filles en Afrique partout. Et vous voulez qu'on vous laisse, vous vivez gratuitement. Ben non. Mais on ne peut pas accepter ça. Les filles, nous sommes en Europe. C'est vrai, un enfant doit grandir avec son père et sa mère. Mais quand nous, les Africains, nous sommes dans la maison, quand vous êtes en couple, que vous vous disputez tout le temps, ça nuit à l'éducation des enfants. Vous pensez que vous faites du bien aux enfants, les enfants qui sont éveillés en Europe, là, tous les jours vous disputez, hein, pourquoi tu as marié les maisons ici. Chaque couple ne peut pas ça. Tu entends, oh, tu as pris mon riz au frigo, pourquoi tu as touché à mon riz? Ça, c'est un couple que tout le monde sait qu'ils sont mariés en Afrique. Ça, ce sont les mariages pour plaire aux gens. J'entends, oui, pourquoi tu as touché mon fromage? Tu vois, même le frigo est divisé. Chacun a sa part, mais ils sont dans la maison. Mais séparez-vous, que chacun fasse sa vie, bon sang. Arrêtons un peu. On se marie à une femme qu'on aime et on doit toujours être amoureux. On ne se marie pas par rapport aux gens. On ne peut pas rester dans un couple par rapport aux gens. Tu vois, certaines femmes... Tu es là, ton gars, ton mari te montre clairement qu'il n'aime pas les enfants que tu as eu avant. Comment tu peux vivre avec un homme qui n'aime pas les enfants que tu as eu avant? Comment tu peux vivre avec une femme qui n'aime pas les enfants de ton mari? On sait comment ça se passe dans ce pays. Ici, ce n'est pas le bled. Ici, ce n'est pas en Afrique. Que tu vas exiger un enfant de t'appeler papa si tu n'es pas son père. Ici, on ne dit pas un enfant. Un enfant, quand tu n'es pas le père d'un enfant biologique, l'enfant ne peut pas t'appeler papa. Oui, nous les Africains, arrêtez un peu. Tu viens d'arriver dans la vie d'une femme. Elle a ses enfants. Ses enfants, tu t'appelles Michel, on t'appelle Michel. Tu t'appelles Koun, bonjour Koun. Ça va, tu vas bien, j'étais chez mon papa. Mais pourquoi tu exiges que l'enfant t'appelle que papa, tu n'es pas son père? C'est l'éducation ici. C'est l'éducation ici en Europe. Et tu ne peux pas être une femme. Tu vis avec un homme et tu n'aimes pas ses enfants. Non, comment ça? Nous ne sommes pas en Afrique. Ici, c'est le juge qui décide. Si le juge a décidé que tu vas avoir les enfants les week-ends, et un homme doit pouvoir donner la pension alimentaire. Même si tu donnes et que la femme la mange, ça fait quoi? C'est elle qui garde les enfants, non? Parce qu'il y a certains hommes ici qui arrêtent de travailler pour la pension alimentaire, que vous entendez, on pleure là. C'est 150 euros. Hein. Certains hommes discutent même la CAF ici. Oh, tu as la CAF des enfants, je ne donne plus rien. Arrêtons un peu. La CAF des enfants, c'est pour les enfants. Ici, quand un enfant a 18 ans, tu vois les parents, chez les Ouattes, l'enfant a 18 ans, il a derrière une voiture. Parce que la CAF qu'on donne là, c'est pour mettre dans le compte de l'enfant. Et certaines mamans prennent ça pour aller acheter les hommes. Franchement. Mais c'est terrible, hein. Tu es là, les enfants ici mangent quoi? Les pâtes. Tu es là, tu prends l'argent de la CAF de tes enfants. Oui, tu mets dans les réunions, c'est bien. Mais quand tu prends ces réunions-là, tu dois mettre dans le compte des enfants. Mais comment tu peux avoir la CAF et tu sais, c'est toi qui vas acheter le gars. Tu vas acheter le mbangzizi. Comment ça? C'est normal aussi que certains parents s'énervent.
Mais attends, elle vit avec un gigolo qui ne travaille pas. Ça veut dire que la CAF de mes enfants, c'est normal qu'un homme pense ça dans sa tête. Ça doit la mère de montrer que non, l'argent de la CAF, je donne, je mets dans le compte des enfants. Les enfants vivent ici, mes chers frères et sœurs. Les enfants ne vivent pas en Afrique. La CAF, c'est pour faire du bien. C'est pour que les enfants mangent 3 fois par jour. Et à plus le goûter. Les vacances des enfants. Combien de parents africains ici vont en vacances avec leurs enfants en Europe? Parce que l'Afrique, ce n'est pas les vacances. Vous-même, vous connaissez que aller en Afrique, ce n'est pas les vacances, c'est les problèmes. Les vraies vacances, ce n'est pas dans ton pays d'origine. C'est ailleurs. Combien d'enfants, combien de parents ici en Europe? Les parents africains vont en vacances, envoient même les enfants en colonie. Hein? Vous êtes en Europe, mais intégrez-vous. Comment tu peux être en Europe? Tu as la CAF, tu as tout pour que les enfants soient à l'aise. Les enfants ne vont jamais en vacances. Les seules vacances que tu programmes, c'est toi-même pour aller au bled. Pour aller en Afrique. Hein? C'est toi-même, tu veux te faire plaisir, je m'en vais en Afrique. Tu prends les trucs, tu pars en Afrique, carrément. Tu vas te faire du bien. Tu ne peux pas être un parent responsable. Ici en Europe, parce que nous les Africains, on doit s'intégrer. Notre rêve, c'est de rentrer en Afrique. Mais nos enfants, ce n'est pas leur rêve. Ils ne connaissent pas d'Afrique. Ils n'ont pas d'amis là-bas. Un enfant né ici, grandit ici, fait sa vie. Hein? Tu prends tout l'argent d'allocation familiale. C'est toi qui es la première à aller acheter le terrain avec le gars que tu as rencontré. Tu ne le connais même pas. Tu fais confiance, tu envoies l'argent, achète notre terrain parce qu'on va finir notre vie ensemble. Quand le gars te bat, que l'amour finit, ou tu découvres maintenant que le terrain, là, le gars avait mis à son nom. Voilà les économies de ton des enfants. Tu ne peux pas acheter les vrais jouets éducatifs aux enfants. À peine rencontrer un gars, tu fais d'ailleurs le projet d'aller acheter le terrain. Tu achètes le terrain, tu le connais. Tu ne le connais pas. Où le noir est mort? La mère est tombée. Ah, marche. Où tu sais là? Non, comme cabé. La matinée est tombée. Tu sais, ma. Où non, comme cabane? Ma pas direct, non? Me gomok. Non, ça va. ça va. Vous savez, quand les personnes âgées, je crois qu'elle n'a pas vu. Non, ça va. Elle voulait que je l'aide à se lever du lit. Mais ça va. C'est bien qu'elle se débrouille elle-même. Et tout. Dans mes cœurs, comme je vous disais, il faut avoir la force de dire à quelqu'un, même si tu l'aimes, que c'est terminé. Parce que être l'esclave d'un homme. Non, ça va, elle va bien, Dolé Miando. Ça va. Ma copine l'a regardé. Donc, il faut avoir la force de dire à un homme que c'est terminé. Les hommes en Europe sont tellement ingrats. Même les femmes font ça. Mais les hommes ici,
sont tellement ingrats. Faut pas, quand ça ne va pas, il faut dire, les blancs, c'est pas facile. Mais quand tu avais un Européen, tu n'as pas les mêmes problèmes qu'avec les Africains, quand tu vis avec un homme africain, parce que avec les Européens, tu n'as pas de problème de t'occuper d'une belle famille et plus ta famille. Ça fait beaucoup. Oui, avec les Européens, c'est moins de stress. C'est pas facile, c'est dur. Mais, avec les Européens, tu ne souffres pas. Ils sont au moins reconnaissants. Parce que certains hommes africains, c'est quand il n'a rien qu'il est gentil. Dès qu'il devient bien, il change. Tu ne le reconnais même pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as pu faire à cet homme pour mériter ça? Vous pensez que vous dites que les hommes, les femmes se plaignent sur Facebook. C'est normal, la femme peut se plaindre. Depuis quand un mariage se termine, un homme vient expliquer les choses sur Facebook. Comme a fait le mari de Michel. Elle s'est mariée avec lui par reconnaissance parce que le gars l'a soutenu. Même par pitié. Parce que dans le couple, c'est elle qui était la force financière. C'est elle qui avait les moyens. Le gars est perdu aujourd'hui. Il retourne vers une Waka à Lyon qui ne fait même pas 100 euros par jour. Aujourd'hui, il avait une autre vendeuse de piments. Parce que quand un homme est habitué avec les vendeuses de piments, parce qu'elles ont la facilité de toucher l'argent et de dépenser n'importe comment. Donc, il est retourné avec une. Mais celle-là ne fait pas 100 goma par jour, puisqu'elle prend les 15 euros, les 20 euros. Et c'est là-bas qu'il allait s'asseoir. Une personne qui vit dans une cave. Qu'il aille travailler, qui présente les fiches de paye. Un homme doit, qui a les gros bras, qui est debout, il doit aller travailler, mes chers frères et sœurs. Même si son salaire, un homme est fier. Quand un homme travaille, même si c'est 800 euros par mois, tu ne lui parles pas fort. Mais oui, on a vu combien d'hommes ici se fait jeter à la porte, dormir dans les restaurants. Il y a un qu'on a fait venir, arriver ici, dit qu'il a mal au pied. Vous avez vécu l'histoire, une blessée de guerre. La femme est partie au pays enterrer son père. Elle entre dans un endroit où on vend les vestes. Comme certains hommes au pays marchent avec les grimaces dans la poche. Mes chers frères et sœurs, une blessée de guerre qui était passée ici. Elle était partie enterrer son père et elle est partie acheter un costume dans un magasin, dans une boutique en Afrique. C'est comme ça qu'elle est tombée sur un homme au premier regard. Ils n'ont même pas niaise. Le gars l'a composé, ils ont parlé. Elle est rentrée en Europe. Elle est revenue se marier avec. Elle ne le connaissait pas. En Europe, à deux, on est plus fort. On a le pouvoir. Seul, tu peux arriver. Mais ce n'est pas facile. Elle arriva en Europe. Le gars arrivé en Europe. Il commence à traîner les restaurants. Il commence à faire les histoires du chef du village. Il commence à dire qu'il est notable. En Europe, on connaît la façon. On connaît que notable, maman. Ici, en Bengue, on connaît que tu es notable au village. Il commence à dire qu'il est notable au village. Il ne peut pas aller faire la sécurité. Quand il se met debout, il a mal aux pieds. Vous avez déjà vu ça où? Et la femme dit qu'elle travaille à l'hôpital. Un bico à tous les infirmiers, les aides-soignantes, les personnes qui travaillent la nuit. Quand sa femme travaille la nuit, lui, pour aller faire la... Elle lui demande que, mais tu es arrivé en Europe par recoupement familial. Va même faire même la formation de la sécurité, qu'il a les gouttes aux pieds. Il va pas se mettre de... Il commence à dire comment il est notable. Wow, je suis notable. Elle dit qu'elle n'a pas travaillé alors que je suis notable au village. Moi, mais lui, elle dit que mon grand frère, il n'y a pas notable ici à Bengue. Tout le monde travaille. Donc, laisse ce que tu dis là, que tu es notable au village. Il a commencé à dormir dans le restaurant d'une maman de son village. Même la mère, là, m'a appelé. Ouais, ma faute, tu sais qu'il est notable, un très grand notable au village. Et il a très mal au pied. On ne peut pas abandonner notre. Il dit que maman, il y a notable en Europe. On connaît ça. Qu'il aille travailler. La femme a dit que j'étais fait venir pour qu'à deux, on cherche. À deux. Maintenant, tu arrives, tu commences à sortir que ton père t'a laissé notable et que tu ne peux pas mettre les pieds par terre, mais tu traînes tous les restaurants de Paris. Tu rentres dans les 3 heures, 4, tu ouvres seulement la porte pour dormir. Et tu vous connaissez les hommes congolais de Paris. Quand il fait l'amour avec une femme, non, il n'a pas dit que tu l'as forcé. C'est comme ça que les voix sont sorties que wow. Et le gars s'assoit au restaurant quand la femme là l'appelle.
Tu es rentré alors dormir à quelle heure? Je suis rentré. Il met le haut-parleur pour que les tapeurs de commentaires de Paris qui ont raté leur vie, qui sont que dans les restaurants là, il met le haut-parleur. Tout le monde écoute comment il dit que, hein, on ne fait même pas l'amour. C'est comme ça que dès qu'il coupe, il fait le congo ça et les gens au restaurant enregistrent. Hein? Tu fais, je t'ai fait venir en Europe, même pour me faire l'amour, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était quand? Hein? La dernière fois que tu m'as touché, c'était quand? Hein? Même me faire l'amour, tu ne fais pas, tu ne fais, il met le haut-parleur, tous les gens du Congo, ça, du restaurant, écoutent. Mes chers frères et sœurs, quelle femme va accepter ça? Un jour, un gars au restaurant a enregistré le Congo. Un jour, un gars du restaurant, vous connaissez qu'à Paris, dans les restaurants, quand elle se plaignait, c'est comme ça qu'il dit qu'il parle en patois, hein? C'est comme ça qu'elle me fait l'amour. Il met le haut-parleur. Quand la femme l'a dit que oui, tu rentres à l'eau, ouais, même me faire l'amour, ça veut dire quoi? On ne fait même pas l'amour ensemble. Je rentre, je suis fatiguée. Tu ne peux même pas préparer rien. Tu t'assois au restaurant que tu es nota. Oh, je t'ai fait venir. Pourquoi j'ai porté ma mort? Je suis t'ai fait venir en France. C'est toi qui veux me tuer. Il commence à raconter au restaurant. Regardez comment elle me force. Une femme qui me force de lui faire l'amour. Je n'arrive pas. Oh, je n'arrive pas à dormir avec elle. Hein? Ses odeurs sont fortes. Elle sent fort. Je ne peux plus continuer là. Je veux faire comment? La femme là m'attache. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'il se plaignait toujours au restaurant de une maman là. Pourquoi ça apparaît? Les hommes aiment le commérage. Quelqu'un enregistre un jour. Quand il était en train de dire que oui, elle me force pour faire l'amour. Eh, pardon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dès que j'ai mes papiers, je... ces projets. Quelqu'un enregistre. Vous connaissez que... Quand vous tapez le commentaire, ghetto, les gens enregistrent. Quelqu'un s'est mis à appuyer, enregistre. Comment il parlait fort au restaurant. Il n'avait plus mal aux pieds pour parler. Il servait même dans le restaurant. Quand il faut débarrasser la sœur du tarot, tu le vois, un notable qui débarrasse au restaurant, mais il ne veut pas aller travailler. La personne a enregistré. Vous connaissez les Congossa de Paris. Après, ça arrivait dans les oreilles de la femme là. Elle m'a appelé blessée de guerre. Je vais tout. Comment faut blessée de guerre? Quand elle m'a dit que je suis blessée de guerre, elle m'a déclaré. Elle dit que maman, donne le nom. Quand elle m'a donné le nom, j'ai dit que pardon, on ne peut pas le protéger. Elle dit que jamais. L'autre, sinon, je témoigne. On le met au carrefour. Je le fais venir parce que je l'appelle qui vient me faire l'amour. Elle a dit que comme quand je dis même que non, on fait l'amour, il fuit, il dort au salon. Quand je mets ma nourriture au frigo, il mange plus que moi. À l'heure-ci, je récupère mes papiers. Il a dit que j'ai essayé d'arranger. Elle a dit que je récupère mon kaolo. Oh, il va rentrer au pays. Une autre nga va aller le chercher. Jamais. Elle a d'abord écrit à la préfecture. Elle a dit que elle a amené un beng, mais il ne sert à rien. Qu'elle ne lui donne pas les papiers. Parce que vous croyez que dès que tu arrives en beng, tu as le papier, non? Elle a écrit que elle ne donne pas le cas. On lui a donné quitter le territoire. Il a commencé à traîner à Paris, où il est, où il a même essayé même de dire que, pardon, reprends-moi, je vais te faire l'amour, j'ai changé. Ce sont les ancêtres du village qui avaient tourné son cerveau. Maintenant, il sera un homme exemplaire. Elle a dit que, tu m'as insulté, que je sens, c'est bon. Pas avec ta malchance, je t'ai amené en bain, c'est bon. Nos routes se séparent, c'est tout. Oui? Michel a sauté par la fenêtre pour fuir l'homme qui était son gourou. Parce qu'il y a certains hommes qui pensent qu'ils te tiennent. Il se dit que sans lui, tu n'es rien. C'est un gars qui sait chercher les dos. Son argent de base, c'est pour payer les hommes. Parce que je ne comprends pas. Tu ne connais pas un gars. Tu commences à lui donner 7000 euros qu'il garde. Il vient raconter sur Facebook. Elle m'a connu sur Facebook. Après quelques temps, il m'a envoyé, elle m'a envoyé 7000 euros que garde-moi l'agence. Même si c'est n'importe qui. Vous les femmes, nous, on n'a pas pour payer comme vous. Arrêtez de montrer que Mbeng est facile. C'est vous qui motivez ces hommes-là à être gigolo. Tu ne connais pas un homme, tu lui donnes la ligne, c'est ta caisse. Hein? Tu ne connais pas un homme, tu donnes l'argent qu'il garde.
Tu veux t'occuper de toute une famille, que tu t'es d'abord occupé de toi-même. Arrêtons un peu. Hein? Le gars raconte comment il a goûté à l'argent. Honnêtement, c'était bien, machin, tout ça. Vous pensez qu'un homme qui aime une femme, quand tu rencontres une femme qui fait une certaine vie, un vrai homme va plutôt te faire quitter cette vie-là. Quel vrai homme va accepter que sa femme se pavane, c'est-à-dire que dans tous les affiches de soirée, tu es là-bas? Quel homme responsable va accepter ça? Il y a des gens qui sont faits pour aller pavaner les soirées. C'est vrai, nous sommes en Europe, dans un pays de stress, où on a besoin de s'évader, on a besoin de bien s'amuser, on a besoin vraiment de... Il faut faire ça de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit un truc que si tu ne pars pas, tu meurs. Il faut savoir se passer de certaines choses. Et quand on est une fille comme Michel, qui a connu certains déboires, parce que les gens qui n'ont pas la chance en amour, c'est une malchanceuse en amour. Et l'argent n'achète pas tout. Quand tu payes l'amour avec les dos, quand tu n'as plus, il fuit. Tu vas toujours être son ex. Non, mieux tu achètes tes sacs à main avec. Comme toute ta famille ici, tu n'as personne pour aider là. Mieux tu manges ton argent, tu mets ça sur toi. Que de donner à quelqu'un comme ça, du jour au lendemain, il vient te manquer le respect, il raconte. Qu'est-ce qu'il ne va pas dire aujourd'hui? Comment une personne responsable, on sait tous comment les gens organisent pour le kaolo ici. Tu viens maintenant détailler que oui, elle a menti, qu'elle est malade pour le kaolo, oh, machin, tout ça. Quand tu étais avec elle, tu viens aujourd'hui dire ça. Quand tu étais avec elle, tu n'avais pas vu qu'elle était malade? Mais tu as quand même vécu, tu as été marié avec. Tu as fait la prison, tu dis que c'est elle qui t'a amené en prison. Mais tu oublies qu'en Europe, que vous voyez, si tu fais la pimenterie chez quelqu'un, écoutez-moi très bien, parce que vous ne connaissez même pas comment ça se passe. Proxénète en bain. Hein? Quand on dit que proxénète en Europe, ça envoie en prison jusqu'à... Vous avez vos soeurs Ongata comme ça. Entre la vérité et mensonge, il y a nuance. C'est vrai. Il y a des personnes qui sont en prison que c'est le mensonge. Mais il y a aussi beaucoup de femmes parce qu'elles font ça. Une femme qui s'assoit, qui passe les annonces, qui fait travailler d'autres. C'est le proxénétisme. Parce qu'on te pose des questions, on ne s'assoit pas, on ne se lève pas, on appuie. C'était ça, c'est que beaucoup de gens sont en prison. Il suffit d'avoir un ennemi, tu dis que je travaille pour elle. Mais parce que la police, il y a des enquêtes. Tu ne peux pas dire que c'est à cause. Non, parce que vous faisiez ça ensemble. Ne viens pas rejeter la faute sur elle. Hein? Vous faisiez ça ensemble. Avant de la connaître, tu faisais déjà, tu accompagnais d'Alenga. Tu ne peux pas venir nous dire, un père qui est en Europe depuis, qui a tourné, un taximan qui dit qu'il ne connaît pas escorte, c'est elle qui t'a montré. Mais attends, tu racontes du mensonge. Si le mariage est fini, qu'elle est avec quelqu'un d'autre, le remède de l'homme, c'est l'homme. Si le mariage est fini, tu n'as pas besoin de venir sur Facebook. Elle fait sa vie, ce n'est pas une personne qui va venir parler sur toi. Tu vas poster ses photos, tu prends sa photo, tu postes. Oh, c'est moi qui te fais les photos des annonces, machin, tout ça. Est-ce que tu sais que tu es en train d'avouer beaucoup de choses? Ça peut te conduire en prison. Tu es en train de la traumatiser. Vous êtes toujours sous surveillance. Quand tu as déjà été en prison pour quelque chose, même si tu sors, tu es toujours sous surveillance. Tu es un gigolo. Tu ne peux pas dire que tu déposes ta femme, se fait prendre au marché, et après ta paix, tu viens la récupérer. Un homme digne peut raconter. Tu n'as pas de famille, toi. Un homme qui fait même ça va nier. Tu avoues quoi jusqu'à dire que tu dis Facebook, c'est la justice, c'est le tribunal. Qu'est-ce que tu peux avouer comme ça? Tu as la famille, tu as des sœurs. Est-ce que tout ce que nous faisons en Europe, nos familles sont obligées de savoir? Comment tu peux t'asseoir? Tu dis comment tu la déposes? Ça, c'est une femme que tu as épousée, hein? Non, je la déposais, quand elle finit avec le client, je la récupère. Mais ça ne se dit pas en France, c'est pas légal de faire ça. En Suisse, tout ça, les autres pays là, en Belgique, tout ça là. Mais en France, c'est pas légal. Et puis même pour les Africains, tu es un Africain, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'un homme. Tu as des sœurs. Tu ne peux pas avouer comme ça là, directement que non, tu es parti la déposer, tu as fait ceci, et vous avez arnaqué les watts ensemble, puisque elle vit avec, elle était avec un watt. C'est le watt qui a investi. Entre-temps, tu joues le frère à côté.
Tu penses que quel Africain digne peut accepter ça? Ça, c'est un Africain qui vient d'arriver en Benin, que tu le prends, tu mets à la maison, tu dis que bon, joue le rôle que tu es mon frère, quand le gars part au travail, vous niassez ensemble. Mais un Africain qui est ici, qui a ce que tu as dit là où c'est le permis de taxi, c'est la licence là, ça coûte très cher. Tu vas te lever comme ça, tu fais 5 heures de dirait no sense. Entre temps, tu es toi assise sur Waka. Pourquoi tu ne cherches pas une femme qui travaille normalement? Si tu es non, va chercher une femme qui est aide-soignante, qui travaille. Si tu es un homme, va chercher une femme qui travaille au moins. Tu cherches celle qui va remplacer Michel. Mais tu pleures. Tu pleures, Michel. Normalement, tu devais l'ignorer. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui-là? Parce que vous pensez que Compresseur allait l'abandonner. Comme ça, tu sors là-bas, sachant que Compresseur ne va pas la supporter et tout. Tu viens faire ça. Ça ne se fait pas. Pense au bon moment que vous avez passé ensemble. Personne ne veut vous voir en spectacle. Ça nous avantage en rien. Hein? Tu vas raconter la vie privée de ta femme. Ça va changer quoi? Il faut arrêter ça, Antoine. Arrête ça. Même pour ta famille, tes soeurs et tout. Avant, tu étais avec ta blanche. Tu as abandonné ta blanche. Tu as vu, c'est tes Africains, tu entres derrière eux. C'est les problèmes toute ta vie. Vous pensez que l'avantage, c'est d'être avec les Noirs. Il y a les Noirs qui attisent les problèmes. Ta femme que tu étais avec, la mère de tes enfants, tu as laissé parce que tu poursuivais l'argent du Waka. Voilà ça. Longata, tu es sorti, tu as tout perdu. Il y a le propriétaire de là où tu habites qui te cherche pour payer le loyer. Il te cherche là. Tu n'as pas payé le loyer depuis, on te cherche. Tu habites tout dans la maison, il te chasse même. Tu ne veux pas partir. Hein? Il faut arrêter. Tu habites, tu dis qu'elle n'a pas payé. J'ai un voice ici là. Que tu ne payes pas le loyer. Ça fait 10 mois, tu dois 10 000 euros de loyer. Hein? Voilà ça. Bien qu'il est toujours dedans et qu'on fait des procédures en fait pour mettre fin à la location. Ah, pour le. Bah oui, c'est en cours, mais c'est hyper long comme procédure. Donc, il n'est pas à jour et il ne règle pas ses loyers au fur et à mesure. Il ne règle pas jusqu'à maintenant, donc il n'a jamais donné un centime. Et là, les loyers s'élèvent à combien? Ah, si, il nous a donné 1000 euros, mais les loyers, là, on doit être à. Je dirais. On doit être vers 10 000 à peu près. Oula, là, là, mon Dieu. Donc, c'est hyper compliqué. Eh ben, dis donc. Va travailler. Et puis, les procédures d'huissier, c'est entre 1 an et 2 ans. Donc, c'est engagé, mais on suit les DG, là. C'est méchant, ça, quand même, parce que moi, j'avais des doutes, quand même, mais là, parce qu'il y a même des courriers, par exemple, de mon avocat par rapport au divorce, hein, qui vont au 19 rue du docteur Calmette, mais des courriers qui retournent qu'il était absent, donc que personne n'est à cette adresse. C'est pour ça, à un moment, j'avais des doutes. Et quand il me dit, oui, je suis toujours là, mais essaye de voir avec Adorel pour trouver une solution et tout, j'y croyais pas, quoi. Je savais pas que les loyers, ils continuaient à rester dans l'appartement, les loyers sont pas payés. Moi, je croyais que il était plus là-bas, qu'il serait parti en... Je sais pas. Ah non, mais même moi, je lui ai envoyé un recommandé qu'il n'a pas été cherché. Il m'est revenu alors qu'il est toujours... je pense qu'il va pas avoir son courrier. Mais les voisins vous ont dit qu'il était toujours là. Peut-être qu'il peut ne pas être que l'appartement est vide. Si, mais moi, j'y suis allé sur place et on l'a vu. Ah ouais. Donc, il y a un mois, il y était toujours. Après, il y a un mois qu'il soit parti, oui, là, récemment. Oui, et, mois, oui. Après, là, récemment, j'ai pas de nouvelles. Donc, je pourrais pas vous en dire plus, mais... Wow, 10 000 euros d'impayés, mon Dieu. Mais c'est sûr que je comprends pas pourquoi il cherche pas à partir, en fait. Bah oui, parce que plus il reste là, plus ça fait qu'augmenter augmenter sa dette, quoi. Je sais pas. Ah bah oui, puis bah c'est... Les procédures d'huissier, c'est pas parce qu'il ne paye pas là que ça lui retombera pas dessus un jour, en fait. Ça, c'est...
il peut y avoir des saisies qui soient faites 5 ans, 10 ans après. Donc, oui. Mais parce que, à mon avis, il pense ne plus jamais travailler, puis continuer à chercher des femmes pour l'entretenir, comme il a fait avec moi. C'est aussi simple que ça. Donc, il va pas, parce que quelqu'un de conscient, déjà un, pour pas vous foutre vous dans la merde, il serait quand même parti. Parce que ça fait quand même un moment, vous êtes hyper patient, donc par reconnaissance. Si c'était vraiment un homme avec un grand H, il serait parti. Bah écoutez, je suis vraiment désolée. Je croyais que ça s'était arrangé, mais je suis vraiment désolée. Pour vous, il a pas de travail, parce que moi, il me dit qu'il a un travail sur l'Orient. Mais c'est pas vrai. Non. Bah qui vous envoie le contrat de travail, mais c'est la moindre des choses. Bah s'il travaille, pourquoi il vous paye pas même par mois? Le loyer, il était à, je sais plus combien, c'était 800 ou 700, je sais plus. Bah, le problème, c'est qu'en fait, tout ce qu'il dit, on n'y croit pas, parce qu'il a même une amie à côté qui lui doit de l'argent, a priori. Personne ne lui doit de l'argent. Le loyer, il était à combien, je me rappelle plus. 800? 820. Et bah, même si par mois, s'il a une paye, il pouvait quand même donner ne serait-ce que même 500 par mois, histoire d'alléger le truc, s'il travaille déjà. Pourquoi vous lui demandez pas le contrat de travail? Parce que entre ce qu'il dit, oui. C'est plein de choses qu'on lui demande et qu'on n'a pas de réponse en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a notamment engagé la procédure d'huissier, parce que selon ce qu'il dit, ça va se résoudre, mais on va pas attendre que ce qu'il nous dit, ça se vérifie en fait, parce que c'est que des mensonges. Donc, bah non, c'est. C'est toujours en cours et le problème continue. Eh ben dis donc. Ben écoutez, je suis désolée. Heureusement que mon nom n'est pas dans le bail. Je vous souhaite bon courage. Et puis moi, je croyais que je pouvais plus ou moins, mais là, c'est énorme. Parce qu'il vous dit pas la vérité. Il dit pas la vérité. Il raconte des conneries. Il s'assoit sur Facebook. Il fait des lives pour voilà. C'est terrible. Lui me dit que les problèmes viennent de vous, donc en fait, c'est pour ça qu'il met tout sur votre dos. Hein. Les problèmes viennent de moi, comment? Il est adulte, il peut aller travailler. Pourquoi il travaille pas? Je l'empêche de travailler en quoi? Je l'ai tout laissé dans l'appartement. Lui, les excuses qu'il m'a données, c'est qu'il avait de l'argent et que vous aviez tout dépensé au Cameroun. Enfin, il n'avait rien du tout. Et à ce que je sache, même les chèques que vous avez reçus, quand je payais, quand j'essayais de régler cette dette, je vous envoyais les chèques étaient à quel nom? C'était à son nom? Ce sont mes, et il a gâché ma relation avec ce monsieur. C'était un ami à moi, parce que moi, on vivait certes dans le même appartement, mais on faisait chambre séparée. Mais ça, il peut pas le dire. Donc, à un moment donné, quand il avait quel argent? De 2016 à 2022, il n'a jamais travaillé. Wow. Il n'a jamais eu une seule fiche de paye. Donc, il avait quel argent? C'est que des mensonges tout le temps. Donc. Voilà, il avait quel argent? Moi, je peux prouver ce que je vous avance. Je peux, parce que je suis arrivé à un stade. C'est toi qui l'as montré que tu as l'argent. De dire la vérité, même devant la loi, je peux pas. Tu l'as montré que tu peux. Donc, si jamais vous avez besoin de moi, au niveau de la loi, au niveau justice, vous mettez mon nom, je vous envoie mon adresse à moi, et si au besoin, vous avez besoin de mon témoignage, je vais témoigner. C'est qu'un menteur, c'est un mythomane. Et c'est comme ça qu'il amène mon nom partout, que moi, il avait quel argent? Je l'ai connu, il était déjà endetté. Quand je l'ai connu en 2016, il m'avait dit qu'il était chauffeur de taxi. C'est au tribunal dernièrement que j'apprends qu'il était licencié depuis 2016, avant mon arrivée à New York. Mais il continue. C'est pas banal, tu dis quoi? Que je sors les anciennes vidéos, qu'elle a eu le temps de t'observer. Attends un peu. Otage, je sais que tu dors déjà. Bon, en tout cas, Antoine, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as été marié à cette femme. Il faut laisser comme ça, ne fais plus les vidéos. Les vampires de Facebook attendent seulement ça. Tu es un homme. Tu es un homme avec un grand H. Et aller travailler au lieu de suivre les Waka. La Waka de Lyon avec qui tu es dans sa cave là. Elle ne gagne même pas 100 euros par jour.
Elle ne gagne même pas 100 euros. Et je veux que tu saches une chose qui est. Je n'ai ça, c'est Mimba. Ça, c'était Mimba. Je n'ai pas connu Lady Patois. Lady Télé dit dernièrement que depuis le début de sa carrière, c'est. Ça, c'est Mimba. Avec elle. Oh, je voilà. Ne suis pas quelqu'un un jour qui peut trahir. Facebook a chauffé. Tu l'as trahi dehors, tu parlais derrière, les petits pics derrière elle. Non, je ne suis pas quelqu'un qui trahit quelqu'un. Même toi-même, je ne t'ai jamais trahi. Même toi-même, avec tes conneries que tu fais là, je t'ai jamais trahi. Mais sache que je n'ai pas connu, je ne suis pas genre de personne là. Peut-être qu'à cause de toi, ils sont venus, ils ont connu Lady. Quand j'ai connu Lady, tu ne rêvais même pas que tu vas la connaître. Et maintenant, je te dis une chose. En ce qui concerne cette voiture, c'est mon nom qui est à la police. C'est mes papiers qui sont là-bas. C'est mon nom et tout qui est à la police. Je ne te remettrai jamais ces clés. Tu vas faire ce que Lady te dit de faire, de trouver la carte grise. Pour me la donner, parce que c'est moi qui dois m'engager pour tout ça. Et c'est comme ça, c'est comme ça que tu. Alors, tu peux gonfler comme le tapioca et tu ne peux rien. Et je te dis encore une chose, Coco. C'est Mimba. J'espère que j'arrive avec toi. Parce que la tu laver. Je baise ma mère, qui a été une femme comme toi qui m'a mis au monde. Je baise ma mère, Coco. Je suis capable d'aller faire des années de prison pour toi. Tu ne me crois pas? Mimba. Continue, Coco. Continue tes menaces que tu fais là ou tout ça. Tu sais, c'est les cons qui te laissent souvent. C'est les cons, Coco. C'est les gens qui sont cons qui te laissent souvent. Parce que quelqu'un comme toi, je baisse ma mère, je te perce les deux yeux. Je ne te tue pas. Arrêtez, je te perce les deux yeux et je parle. Je vais faire la prison le reste de mes temps. J'encule ma mère que je ne verrai plus, Coco. J'encule ma mère. C'est que c'est un chien qui a baisé ma mère, qui m'a mis au monde, comme tu juste la tombe de ton père. C'est un chien qui a baisé ma mère au monde pour ouais. Me mettre au monde. Coco, je te perce les deux yeux. Je te rends aveugle toute ta vie. Je vais faire le reste de mes temps en prison. Continue. Je te préviens. C'est Mimbang. C'est Mimbang. Ça, c'est Mimbang. 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 Mimbang est où? Coco Mimbang, une vieille waka. Une vieille chouette. Ton histoire commence après le deuil. Tu es où? Tu vas squatter à Suren. T'as même pas honte. Une femme qui, elle est Coco Mimbang. Tu as dit que je ne te prononce plus. 35 ans en Europe sans domicile. Quelle honte pour la diaspora. Normalement, tu dois rentrer là-bas, ton village. Tu avais dit que tu es d'où là? Regardez-moi une vieille sapac, une vieille chouette, une vieille rococo des temps d'Aïdjo. Je vais te clasher propre par ce que tu fais là. Maman, dès que tu auras le contrat de bail, fais-moi signe. Une sapac, maman, quand elle s'assoit sur Facebook, les chaussures qu'elle porte là. Mais de vous êtes nombreux ici. Tu alignes les chaussures chez quelqu'un, maman. Coco Mimbang. Donc tu prends les chaussures, tu alignes là où tu squattes, comme si c'était le chez toi. Colu Boutin de 100 000 euros. Tu as 100 000 euros, tu ne loues pas ton appartement. 500 euros, tu as le sous-location à Paris. Mimbang. Tu vas marcher sans caleçon. Elle est assise au champ. Mes chers et sœurs, Coco Mimbang, Mimbang, mi-plate. Coco Mimbang, c'est une vieille chouette. Elle a fait le waka en Suisse. Elle fumait le cigare en Suisse. Soi-disant, elle avait la boîte de nuit. Mes chers frères et sœurs, on l'a chassée d'un appartement comme une vieille chaussée. On l'a appuyée comme ça. Elle a pleuré. Oh, tu portes les fers. Tu portes les fers. C'est les cailloux. Hé, Lorraine, tu n'as pas honte. Tu n'as pas les papiers. Mais tu n'es qu'une truie. Tu n'es qu'une chienne. Elle passe son temps à mettre le filtrata. C'est le filtrata, hein. Elle fait le filtrate, elle pique même ce qu'on pique pour ne pas être vieille là. Maï, 5 étoiles, ça va. Elle pique les 5, le formol. Oh non! Lui dit pas! Mais il dit, général, elle pique ce qui gonfle là. Quand elle est jeune, Coco Mimbang. Même les petites bosailleuses qui viennent d'arriver, elles sont mieux. Quand tu as quelqu'un qui prononce plutôt, est-ce que les gens ont commencé à te prononcer? C'est après le deuil qu'on commence les classes sur Facebook. Quand j'ai le temps. Mimbang, maman, cette femme a été chassée en plein hiver, du jamais vu dans la diaspora. Mes chers frères et sœurs, je suis arrivée en 2001. Depuis que je suis en Bain, du jamais vu, nous tous, on habitait chez les gens.
Mais on ne peut pas habiter chez les gens 35 ans. Coco Mimbang, le record du squattage. Elle appuie les canapés, elle parle fort. Mais Lorraine, il fallait même arracher une dent à Coco Mimbang. Moi, je ne sais pas pourquoi tu l'as pris seulement avec une main. L'ambassadeur, le monsieur l'ambassadeur, une vieille sape. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, on veut me tuer. Tu habites chez les gens Coco Mimbang. Mes chefs et sur Facebook détruit. Cette vieille sorcière de Coco Mimbang. Coco Mimbang, mi Pilate, elle a été la laveuse de caleçon d'une star interplanétaire. Lady Ponce. Elle a lavé les caleçons. Lavé jusqu'à mettre Lolo Béni pour laver les caleçons. Mes chers frères et sœurs, pendant que nous venons en Europe nous chercher, elle est venue en Europe être bonne, laver les caleçons. C'est son travail, une laveuse. Elle sera squatteuse toute sa vie. Elle travaillera trop pour les gens. Elle a quitté, mes chers frères et sœurs, une ancienne waka de la Suisse, vendeuse de manga, de tout. Puisqu'en Suisse, là, c'est ce qu'elles font. On est clair. Elle a lavé les caleçons jusqu'à mettre l'eau bénie. Mes chers frères et sœurs, tu laves les caleçons de ta petite sœur jusqu'à tu mets l'eau bénie. Mes chers frères et sœurs, cette femme marche avec la lampe. Elle a cassé le bois. Le bois en plein Paris chez quelqu'un en France. En plein hiver, elle casse le bois avec la hache. Elle casse la hache dans la maison en ciment. Elle marche avec la lampe en Europe. Mes chers frères et sœurs, la lampe tempête, mi-bang. Dans la maison de toi, elle a cassé le bois. Plein salon, elle casse le bois. Une femme qui a insulté les gens, qu'elle est trop arrivée. Mes chers frères et sœurs, vous racontez sa vie. Elle est passée par le Luxembourg. Elle partait escroquer un blanc là-bas, ça n'a pas marché. Parce que les vieux blancs du Luxembourg, maintenant, le gouvernement est derrière les Watts qui sont âgés. Donc, quand tu pars maintenant pour pointer chez les Watts qui sont âgés, le gouvernement, Coco Mimbang est parti au Luxembourg calculer un blanc là-bas. Elle est sortie sans rien. Même pas sain. Elle a pambim. Elle est rentrée en France. Elle insulte comme ça, elle dit, pour une star interplanétaire. Alors qu'elle n'a pas de domicile. Elle vivait dans le tcha, à l'hôtel. Dans le tcha-tcha. Depuis que son fils est né, il n'a jamais connu une chambre, comme on dit que la chambre d'enfant en bain. Une femme qui va faire 40 jours à Lourdes sur les frais du contribuable de ses fans. Qu'elle prie, que les Africains arrêtent la prière et ils go travailler. Coco Mimbang, la seule noire qui a fait 40 jours à Lourdes, qu'elle veut donner les abeilles en prière. Mes chers frères et sœurs, dès son retour de Lourdes, après avoir fait 40 jours, on l'a chassée. Elle était assise au champ. Vous connaissez les vieilles mères qui tombaient de la toiture? Elle était là. Appelle la police. Vous savez que les blancs, non? Les blancs ici en Bénin, maman, on te tue là-bas, ils gèrent. Coco, les blancs ne gèrent pas. Surtout quand ça entre. Elle était là en route, tout abasourdi. Appelez la police. S'il vous plaît, je suis séquestrée. Le blanc dit que. On appelle la police, comment vous sortez d'où? Appelez la police, s'il vous plaît. Je suis en danger. Ya, Coco, mais après 35 ans, tu demandes qu'on appelle. Belle. Tu n'avais pas dit qu'elle tout dit, c'est la maison de ta mère. Ils n'ont dit chien. Mais regarde-moi, c'est la même. Même la première honte de toi, imbécile, arrête de dire que tu es de... Comment on appelle leur village là? Tous ceux qui veulent se faire voir là. Sanmélima, papa Sanmélima. L'autre là, Nanga. Qu'elle est Nanga. Une fille que... Maman, elle était assise comme... Je vais vous montrer. Elle était assise comme une femme qui est tombée de la toiture. Mimbang est tombée de l'avion de nuit. Voilà sa photo. Mes chers frères et sœurs, moi-même, regardez à quoi elle ressemble. Et c'est elle qui va parler aux vraies personnalités, aux personnes qui ont reçu leur bain comme moi. Regarde-moi cette sapac des temps d'Aïdjo. Cette vieille vampire. Elle n'a pas honte. Voilà sa chambre. Voici où elle dormait chez Lorraine. Mimba, regarde sa chambre. Elle arrange. Vraiment, les filles de Facebook. Elle arrange où elle fait le direct. Hein? Elle fait la décoration, parce qu'elle pose le direct. Elle voit que le derrière est bien. Maman, il faut voir où elle dort. La saleté de ça. Une sale fille. Moi, je ne sais pas. Vous avez peur d'elle. Pourquoi?
Une sale chose comme ça, maman. Maigre, elle fait 50 kilos. Elle... Maman, cette femme a été chassée 3 fois l'année dernière. Elle a vécu chez un gars qui l'a chassée. Elle a confisqué les oignons. Vous voulez entendre sa voix? J'ai jeté ses remèdes. Une fille cognasse pour qu'elle dorme. Tu n'as pas honte. Mais mets tes bottes, tu vas faire le waka. Mets tes bottes, tu vas faire le... Tu vas vendre le piment. Ça veut dire que même dans la pimentée, tu passes au marché. Tu dis que non, je peux reprendre ma vie du dehors. Mets tes talons, tu pars walk. Mets tes talons, miman. Va travailler. Va travailler. Je suis désolée. Une ancienne pimentière. Mets tes bottes. À tout moment, une ancienne blessée de guerre. À tout moment, tu tombes au champ. Va vendre le piment. Mon frère. Elle dit comment si elle rentre dans la pimenterie, elle peut vendre le piment plus que moi. Miman, quand tu me regardes, je ne sens même pimentière. J'ai déjà vendu le piment, maman. Quand tu regardes une femme responsable comme moi, tu dis que si tu peux vendre le piment avec moi, tu vends plus que moi. Je ne suis pas une pimentière, chérie. Je suis désolée. Je suis une femme qui a la société. Une espèce de pimenterie ratée. Maman, mais j'ai fait ça. Coco Mimban, je l'ai déposée. Elle a vécu là-bas à Franconville. Elle a vécu chez un homme dont elle donnait la nièce son l'hébergeait. Regardez. C'est elle qui va parler aux gens, mes chers frères et sœurs. Mais elle a vécu chez un homme. Elle a fui avec les oignons jusqu'à prendre l'ail. Donne-moi mes oignons. L'oignon, le sac d'oignons, c'est 1,50€ chez l'arabe. C'est 1,50€. Le sac d'oignons coûte quoi? Il faut voir sa dernière photo vraiment, Mimban. Tes chansons que tu postes de Fitrata là, on a vu ton vrai visage. Tu es une vieille waka. Et tu es vieille, hein? Mimban, tu es bien vieille. On a vu ton... Voilà, ma si assise. Mais Mbangte, voici. Regardez. Regardez. C'est-à-dire qu'elle sort dans les yeux. Tu sens une fille qui est tombée la boîte de sardines. Arrête de voyager avec la blouse. Balai. Une femme qui voit. Tu ne viens pas au deuil. Si tu es une femme, viens au deuil, on voit. Mimbang. Tu es en train de squatter à Paris, non? Moi, je donne rendez-vous à tous mes détracteurs. Si tu es une femme, viens au deuil. Eh, je suis forte. Mes mains, ça veut dire qu'elle est forte. Même avec les mains. Oh, la justice divine. Oh. Maman, elle dit pas. Dieu a fait. Maman, elle n'a pas froid. Mimban, je suis calme parce que dès que le... Attends. Attendez-moi sur Facebook. Mimban, regarde comment elle est assise. Laurel, il fallait arracher tous ses pères synthétiques. Tu confisques ses habits. Non, maman, rentre au Cameroun. La souillure. Non, ton histoire est Mimban. Ça dit que quand je te regarde, mes gens. Elle est au champ, regardez. Une femme qui hésite, elle dit pose. Là, voilà. Mimban. Même tes fans, hein. Maman, tes fans ont eu honte. Mimban. Non, tu as fait fort. Ça dit que quand tu la vois, hein, tu sens que c'est que vous savez que les avions de nuit tombent que dans les quartiers des pauvres. Tu ne vas jamais entendre que. Parce que mes manquets tombent au champ du blanc. L'avion. Ce qui est là, tu ne vas jamais entendre que l'avion de nuit a atterri à Bastos. Tu ne peux pas entendre ça. L'avion de nuit a atterri à Bonaprizo, jamais. L'avion de nuit atterrit tout dans les Toudis, les salles. Les Nyebelingangé. Les kilomètres 5. Vous voyez les sous-quartiers vraiment
Gonsoir, tu entends que oui, il y a une femme qui est tombée dans la voiture. Gonsoir, tu tournes là-bas. Oui, à la cité Sigve, je mamie Yossa. À la descente de mamie Yossa, il y a la boîte de sardines qui est explosée. Bon, à prison, tu n'entends pas. Hein? Jamais. Voilà Mimbango Chang. Son avion de nuit atterrit dans le champ des patates des Blancs. Une sale chienne. C'est elle qui va parler. Quand elle a loué la maison, elle vient nous déposer ça sur Facebook. Même si c'est on. Maman, une sapac, Mimbang. Tu peux qui? Hey, j'ai la coco. On lui donne l'argent. Cette femme, cette vieille waka, hein, qui a fait disparaître une femme, n'oubliez jamais que tant qu'elle ne part pas se mettre à genoux devant sa mère, sa vie ne change. Elle a renié son propre enfant. Au pays, elle a une fille, elle est grand-mère. Elles sont beaucoup comme ça. Vous comprenez, non? Ouais, Koun, Ngangé, c'est qu'on y a ben Ngangé, non? N'est-ce pas, c'est les sous-quartiers? Les sous-quartiers où on jette la poubelle, là, c'est pas là-bas. Les avions de nuit tombent toujours les années. Mimbang est tombé dans le champ. Mimbang, toi qui voyages avec la, le balai, même la cuillère, va tomber sur la toiture de Macron, on voit. Pauvre sorcière! Une pauvre sorcière va tomber à l'Élysée. Tombe sur la toiture de l'Élysée. Tu te retrouves dans la cour. Pourquoi tu... Mimbang va tomber sur la toiture de l'Élysée. Jusqu'à dire qu'elle veut passer à la mission télé. Quand tu es qui? Les vrais Français avec le kaolo comme moi. Nous sommes là. Tu veux passer chez Thierry Addison. Et là... Regarde-moi celle-là. Tu es une grande sœur. Tu es ma grande sœur chérie. Mais, quand tu as pris la star, menti sur elle. Mon frère, tu es le genre de personne que tu héberges demain. Tu veux prendre la maison de tout. Vous êtes beaucoup comme ça en Europe. Va tomber sur la toiture de Macron. On voit une pauvre sorcière de comment on appelle leur village, là, quand elle se vante déjà. Une femme, elle n'a pas de papier. Coco Mimbang, 35 ans en Europe, elle n'a pas les papiers. La dignité d'une femme, tu n'as pas de dignité. Tu n'es qu'une pauvre chose. Tu dis que quoi? On peut recommencer. L'enfant est né. L'enfant n'a jamais connu sa chambre. Tu veux que tu cites les maisons des gens où tu as vécu? C'est l'autre vieille chouette de Marthe Chopin là. Cette vieille rococo qui mange tous les nourritures du village. Mbengla dépassée. Elle est rentrée au pays. Au moins, elle vit chez elle. Elle vit chez elle. Elle traverse quand elle veut. Fais comme elle en voit. Non, parce que parlons vrai. Elle est rentrée au pays. Elle vit chez elle. Elle mangeait les crocodiles, les pangolins, les fosses. Je suis allée chez elle. C'est vrai. L'autre rococo là, elle m'a servi dans les plats fleuris de 1900. Ouais, à Lubassa, les assiettes à Lubassa. C'est où elle a servi une PDG. Et elle est venue m'insulter sur Facebook. Alors que j'ai mangé dans à Lubassa, le ngongolingon. Le ngongolingon, toi, va vivre comme elle en voit. Tu ne peux pas. Vis comme elle, c'est une ancienne suceuse comme toi, une ancienne suceuse comme toi. Va vivre comme elle en voit. La Suisse, il faut voir comment quand elle parle, cette coco Mimbang. Oui, quand j'étais, je prenais l'ascenseur. Hey. Je prenais l'ascenseur, ça me laissait dans ma... Tu vois aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Arrêtons, hein. Les filles qui parlent quand j'étais. Tous les blancs suisses qui sont en route là. Va me faire l'annonce dans un village, dans le journal, si tu rencontres un blanc. Quand j'étais avec un blanc, quand je prenais l'ascenseur, ça montait directement dans ma chambre, je descendais, je partais dormir, je lavais mes caleçons. Tu es quoi aujourd'hui? Qui peut accepter être avec toi, Mimbang? T'avoir connu? Rien. Tu as gâté tout un village qu'on appelle... ton village, même c'est quoi, j'oublie toujours. Nanga, tu as sali le village de Nanga. Tu es une Nanja. Tu es une expatriée. Tu n'es pas Nanga. Tu peux prouver, non. Tu es un enfant qu'on a recruté dans la sorcellerie qui tombait toujours dans les toitures la nuit là. Tu dis que tu es Nanga. Tu es une vraie Nanga, ne peut pas souffrir comme toi. Le ministre de qui te connaît? Mimbang, personne ne te connaît. C'est parce que tu étais chez la star, tu lavais ses caleçons que on t'a un peu connu. Qui te connaît? Je
ce qu'elle dit qu'elle ne veut pas se mélanger dans la négativité comme moi. Elle me manque. Mais moi, tu as la gueule. Hein, que tu ne veux pas te mélanger comme moi. Entre-temps, je suis chez moi. Toi, tu es dehors. En plein hiver, tu es au champ. T'as pas honte. Va te trouver un logement avant de venir ouvrir ta sale gueule sur Facebook. Préparer la nourriture, t'as dépassé. Regardez une femme qui dit qu'elle fait la nourriture revisiter, mes chers frères et sœurs. Elle prend les prunes qu'on mange avec le manioc et le plantain brûlé. Elle écrase la viande hachée, elle met dedans avec le piment. Nous, les Camerounais, on ne mange pas le genre là. Co-cuisine revisitée. Riz sauté revisité au Mbunga. Qui ne connaît pas le riz sauté au Mbunga? Le riz sauté revisité à son Mbunga, plongé dans l'huile rouge. Tout ça, elle ne connaît pas préparer. Tu prépares quoi? Va au Nganda, fais le Nganda, on voit. On t'a donné une maison. Lorraine t'a donné une maison. Tu pouvais même faire les trucs les week-ends. Tu m'appelles. On lance même l'annonce, les gens vont manger là-bas les week-ends. Mais il faut voir comment une femme qui parle, ses soucis ne bougent pas. Elle parle sans que son, village, son visage fait ça. Jamais. Quand elle parle, Son manioc revisité frit. Maman, une femme qui frit le bobolo. Le bobolo que tu manges d'abord, tu es constipé. Elle prend ça, elle fait frit dans lui. Bobolo revisité avec ses oignons et son quoi sauté là. Et regarde-moi les gros noms qu'elle fait. Ça l'a amené où? Elle travaille dans quel restaurant? Elle est quel chef on voit? Jamais, rien du tout. Elle assise au quartier comme les autres. Son bobolo revisité dans ses oignons. C'est quelque chose là-bas. Mes chefs et soeurs, cette vieille poubelle de main. Elle fait le côté copier des photos. Hein. Un jour, cette femme a agressé notre NK international qu'on a volé sa photo des tripes. Le Mbig Dibe, hein, elle dit que le Mbig Dibe, qu'elle-même elle a volé les photos dans les sites qu'on prépare la nourriture du Cameroun, la serviette attachée, les boyaux. Elle a agressé NK que, oui, on a volé mes photos de mon Mbig Dibe. Elle n'a pas attaché le Misunga. Jamais. On poste les termites. Elle dit qu'on a volé ses photos des termites. Alors qu'elle-même, elle prend ça partout. Elle colle sur son mur. Termites revisité. Elle colle les photos. Elle ne prépare rien. Oui, j'ai mangé ces histoires de prunes revisitées là. J'ai mangé ça. Est-ce que c'est que je refuse? Oui, j'ai mangé ces prunes revisitées à ces noyaux de quoi là. N'importe quoi. Bobolo revisité à la, au céleri. Une femme vient en Europe. Elle est là maintenant. Elle a son projet qu'elle va créer le livre de cuisine. Mais chef de ça, elle va écrire quoi dedans? Elle va écrire quoi? Une femme qui prend l'argent des gens pour la nourriture, elle tombe au champ. Tu vas lui faire quoi? On est en Europe. Elle a pris l'argent d'une handicapée pour faire la nourriture. La personne m'a appelé blessée de guerre. J'ai refusé de parler de ça ici. Elle a pris son argent. Elle est tombée dans ce songo. Une handicapée assise sur une gabonaise. Assise sur chaise roulante. Elle lui a donné 5000 euros pour son mari. Elle a mangé. William Dave a payé le Misunga. Elle a pris. Elle a mangé l'argent. Elle est tombée dans ce songo. Qu'elle est coco quoi. Elle est qui? Depuis qu'elle n'a pas de maison, j'ai compris qu'elle n'est rien, putain. Sur ce, je vous laisse. Rendez-vous des clashs après à le deuil. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook tous les jours parler. C'est quand je veux. Pour retenir l'audience, il faut savoir que dans la vie, j'ai ce qu'on appelle quoi? Je vais vous expliquer. On ne peut pas me copier ça. Personne ne peut copier parce que je suis unique à mon genre. Il est quelle heure? Je peux retenir l'audience. Je parle même des bêtises. Les gens sont les meilleurs parce qu'ils sont fiers. Il y a ce qu'on appelle le don. Et je dois être payé pour ça. Nia Steven, je ne veux plus jamais te voir. Tu as compris, non? Je t'ai bloqué partout. Hein? Abonnez-vous sur la page aussi. Il y a ce qu'on appelle un don. Le don, c'est quoi? Retenir les gens. Je peux faire le dire jusqu'à le matin, il y aura toujours les gens. Parce que le sujet ne va pas me manquer. Je vais quitter du coq à l'âne. Mais les gens sont contents. Ils sont fiers de regarder, d'écouter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le divertissement. Même si ça choque certaines personnes. Mais je guéris les gens dans les hôpitaux sans médicaments. On doit me payer pour ça. J'arrive. On doit me payer pour ça. Vous pensez ces données? Le temps que je passe? Vous pensez que je vais prendre encore en 2023? Je vais prendre encore mon temps de rester sur Facebook. Flodeye, elle a mangé. Flodeye, ceci, cela. Je mérite d'être payé. Je mérite des récompenses.
Parce que quand je ne suis pas là, on me cherche. Même si je quitte Facebook aujourd'hui, personne ne va jamais prendre ma place. Parce que je suis unique à mon genre. Et nous tous, nous sommes nécessaires sur Facebook. On a choisi, j'assume, le choix d'être sur les réseaux sociaux. Les personnes qui portent des jugements, je ne juge pas vos vies. Je ne juge pas ce que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi d'être sur Facebook. Je l'assume. Ça ne me dérange pas. Ma famille, mes amis m'acceptent comme ça. Donc, arrêtez un peu vos pépettes là que vous aimez souvent donner. Vous aimez souvent faire comme si vous allez apporter, faire le moral. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Oui. Oh. Vraiment, ce que vous dites sur Facebook, pourquoi vous ne dites, personne ne me donne le sujet qu'il doit pas. Il parle de ce que je veux et quand ça me plaît. Et je suis spontanée et c'est mon comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller copier ce que tel ou tel fait. Pour être, je suis moi, je suis Fleur de Lille. Je suis moi. Donc arrêtez de vouloir rabaisser les gens en portant des jugements. Je ne suis pas sûre que ce que j'ai fait dans ma vie, vous avez pu faire dans vos vies, étant sur les réseaux sociaux. Alors arrêtez de me juger. Arrêtez de faire comme si vous êtes mieux que moi. Moi, je suis sûre que je suis mieux que vous. Je vis avec ma mère, je m'occupe bien d'elle. J'ai mes papiers, je suis française. J'ai un domicile. Je vais en Afrique quand je veux. Et je réalise. Et en Afrique, je vis comme en Europe. Vous me dépassez en quoi? Parce qu'on est sur Facebook, on rigole ensemble. Vous croyez que je n'ai pas la tête? Parce que je vais perdre le temps avec vous. Parce que je vais vous divertir. Je ne suis pas une guignole, mais je suis plus que l'humoriste. Et personne ne va jamais me remplacer. Donc je ne suis pas sûre que ce que j'ai accompli, ce que je fais dans ma vie, ce que je suis, vous pouvez être ce que je suis. Parce que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui je suis. Je n'ai pas besoin de me faire connaître dans la vie réelle par tout le monde. Je n'ai pas besoin de me justifier. Non, je ne peux pas parler de moi. C'est des gens qui me connaissent qui vont vous parler de moi. Je suis désolée. Vous voulez me juger en vertu de quoi? Je ne pète pas. Je ne suis pas souvent constipée. Je suis un être humain, j'ai un cœur. Donc arrêtez souvent de vouloir faire comme si vous voulez moraliser ma vie, comme si vous voulez me dire, fais ci, ne fais pas ça. Moi, on me donne des conseils. Hein. Mais je fais, c'est moi qui détient ma vie et personne d'autre. On peut me dire quelque chose qui est bien, mais je fais ce qui est mal. Je ne suis pas obligée, je ne marche pas sur les ordres de quelqu'un. Non. Je suis une bonne femme en cuisine. Je suis une bonne femme dans le ménage. Je suis une bonne femme au foyer. Je suis une bonne mère. Je suis une bonne amie. Parce que je suis le genre d'amie qui est là quand il faut. Je ne suis pas le genre d'amie qui harcèle ses amis à causer en longueur de journée. Parce que je n'ai pas ce temps-là. Non, je n'ai pas ce temps à vouloir causer. Je ne peux pas causer avec tout le monde. Mais je suis là quand il faut. Ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui me côtoient, j'ai barré beaucoup de gens dans ma vie. J'ai pris du recul. J'ai décidé de vivre dans mon coin et d'assumer ma vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous êtes qui pour juger ma vie? Qu'elle soit bien. Pourquoi tu veux que ma vie ressemble à ta tienne? On n'est pas pareil. Pourquoi vous voulez que ma vie ressemble au vôtre ou bien à tel ou un tel? Non. Pourquoi? Pourquoi dans ta famille, tu ne ressembles pas à ton frère ou ta soeur ou ta cousine ou tout ça? Mais si vous voulez qu'elle ressemble à telle, je dois faire comme telle. Pourquoi? Non. Je suis moi et je m'assume. Et mes bêtises, les conneries, je ne suis pas obligée de tout assumer. Mais oui, je ne suis pas obligée de répondre à tout. Au cafard, aux certaines pépettes, parmi tous ces gens-là, depuis des années qu'on parle sur Facebook. Chaque homme est comme il est. D'autres choisissent à gauche, d'autres choisissent à droite. Moi, je choisis d'être bien chez moi, dans mon intérieur. Je choisis de vivre bien. Je choisis de vivre comme ça me plaît. C'est comme ça. Mon frère, je n'ai pas besoin de savoir X ou Y. Pourquoi? Parce que tel a dit que je ne suis pas dans ça, gars. On parle d'une, c'est une star et je veux qu'on parle de moi. Et je fais tout pour qu'on parle de moi. C'est moi qui veux, quand je veux qu'on parle de moi, je pose un acte, on parle de moi. Et c'est comme ça la Stamania. Pourquoi les autres font, on ne parle pas? Et les gens qui ont déjà cherché qu'on parle de juste, qu'on arrive à parler d'eux. Je suis une star et c'est comme ça et pas autrement.
Je suis une star qui sait se rabaisser, qui sait se mettre au niveau des autres, parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Je suis quelqu'un, je ne sais pas gonfler, j'en me passer pour ce que je ne suis pas. Mais, oh, Flo Delis, tu es arrivé quelque part, mais pourquoi tu débarrasses mes blancs? Putain, mais je débarrasse parce que chez moi, je débarrasse. Et puis, c'est comment on va dire, c'est un réflexe. C'est un réflexe pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas laisser la vaisselle, je ne lave pas, je dis j'attends demain. J'attends demain qui va le faire. C'est un réflexe chez moi. Ici en Europe, quand on va quelque part, que ce soit un deuil, que ce soit un événement, tout le monde donne le coup de main. On ne s'assoit pas à jouer la Starmania. Qui va débarrasser? Il faut donner un coup de main. Non, elle se rabaisse. Elle arrive quelque part. On l'a vu à la cuisine en train de laver les assiettes. Mais si je lave les assiettes, je n'ai pas besoin. Pourquoi je vais m'en cacher? Si j'arrive quelque part, je lave les assiettes, ben j'ai envie de laver, je lave. Ça ne fait pas de moi une personne qui ne connaît même pas sa place. Oh, tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ta place. Non, je connais ma place, mais je décide d'être comme je suis. Et personne ne va me changer. Oh, elle a fait que, elle quoi que quoi. Elle est la seule qui arrive au Cameroun. Elle fait, vous avez donc compris que les filles là me jalousent, non? Quand vous voyez une fille comme Coco Mimba, qui n'a même pas où dormir, et elles sont nombreuses, qui n'ont rien foutu de leur vie. J'ai la bénédiction et j'ai dit et je redis, personne ne peut traverser ma mère pour me faire du mal. Parce qu'elle est, elle est ma source de bénédiction. Que les autres aillent demander les pardons à leurs parents. Parce que c'est la mère qui porte. Qu'elles aillent demander les pardons à leur mère pour recevoir la bénédiction. Vous croyez que c'est facile de vivre à une personne âgée? Mais je le fais, je l'assume. Il y a les personnes ici qui ont la chance d'avoir plusieurs personnes en bain. Que quand ça ne va pas, tu envoies à tel, tu tournes, vous gardez vos parents. Mais je le fais, je l'assume et j'ai décidé qu'elle est là avec moi. C'est comme ça. Et ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Hein? Une bande de jalouses jusqu'à... Ce n'est pas bien. Heureusement que j'ai mes abeilles et les sympathisants, maman. Quand les filles là voient que je m'assois comme ça, vous savez, quand j'arrive au pays, non, j'aime faire le direct comme ça pour les choquer. Que allez arranger chez vos parents, vous entrez aussi dans votre chambre, vous dormez comme j'ai fait. Ça les fait mal. Pourquoi? Pourquoi? J'ai donné le goût à beaucoup de personnes d'aimer leurs parents. J'ai donné le goût à combien de personnes d'aller même rénover chez leurs parents. À beaucoup de vous n'appréciez pas ça. Mais c'est de s'asseoir dans les deuils, dans les endroits pour parler de moi. Vous parlez encore de moi, vous coupez vos langues ensemble. Vous prononcez mon nom, vous dites quoi? On se connaît où? On se connaît où? Si on vous demande, vous m'avez déjà vu? Non. Même certains qui m'ont déjà vu vont se permettre de vouloir me saboter. Mais putain de bordel! Mais c'est pas possible! Hein? Mais arrêtez un peu! On se connaît, on se fréquente? Pourquoi parler de moi? Parce que je suis une star, c'est vrai. Vous me détestez, je refuse, je ne vous demande pas de m'aimer. Le président Paul Biya, ça fait 40 ans, il est au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui le détestent, mais il est toujours là. Je suis là, sur Facebook, aujourd'hui, demain, après, je vais partir quand il va vouloir. Oh, elle a fait telle chose, ça n'a pas marché, c'est normal. Dans la vie, tu essaies, ça ne marche pas, tu laisses tomber. Oui, j'ai essayé, c'était les choses, ça n'a pas marché, vous m'aviez, cet homme m'a mis les bâtons dans les roues, ça m'a découragé, je restais tranquille. C'est un choix, où est le problème? Donc, je mets la corde au cou, je me fais attacher, je meurs. Non, je vis ma vie, je profite. Et sachez que je suis une femme. Et que même les réunions dans les noirs, même si elles sont sans, elles ne vont jamais m'abattre. Parce que j'ai la bénédiction. C'est un enfant béni par son père et sa mère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de vous asseoir dans les réunions, partout vous prononcez mon mot. Moi, je suis sur Facebook. S'il y a un truc sur Facebook que je veux parler, je parle. Quelqu'un vient se plaindre à moi. Je suis la voix de sans voix. J'assume que vous me détestez. Quelqu'un vient avec son dossier, je prends et je parle. Oh, il faut contacter. Hein? Contacte souvent tel. Il faut souvent faire que. Il faut souvent faire que. L'émission blessée de guerre commence. Et on va commencer avec les États-Unis. La personne qui n'est pas contente saute et met le courant sur son cou. Arrêtez un peu. C'est vous qui me détestez, c'est vous qui me cherchez. Et il faut savoir ce que vous voulez. Je ne suis pas dépendant de Facebook. Je peux quitter Facebook quand je veux et ça ne me dérange pas. Voilà donc, Yami.
Mais merci pour tous ceux qui reconnaissent le bienfait de la reine mère. Et ceux qui me détestent. Mais tu détestes quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu n'as jamais vu. Tu la détestes parce qu'on a dit que c'est monté. On a dit qu'elle est double sim. Mais si je suis double sim et que ça me fait prendre mon pied, où est le problème? Pourquoi tu veux entrer dans ma vie privée? Tu veux m'aimer moi ou bien tu veux juger si mon caleçon est percé? Si mon caleçon est percé que j'ai couvert, est-ce que tu vois que c'est couvert? Mais si tu soulèves mon cabas, tu vas voir que c'est percé. Ou l'entrer dans ma vie par rapport à quoi? Que c'est sur double sim, c'est toi qui vas venir dire que ne fais plus et puis je vais arrêter de faire. Et occupez-vous souvent de vos patates, vous bon sang. Et les petits nyamanyamak là qui me font le chantage, et les petites pisseuses au lit, et les petits ceci. Depuis que ces gens-là parlent, ça a changé quoi à ma vie? Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de dormir. Et des petites personnes qui se permettent souvent de m'envoyer le message sur Facebook des liens. Je n'ai pas besoin qu'on partage, on me partage sur mon WhatsApp. Mais qui peut accepter qu'on l'insulte? Est-ce que vous vous rendez compte un peu comment les gens sont souvent? On me dit change ton numéro, mais je ne veux pas changer mon numéro. Mon numéro, c'est un numéro privé. S'il y a un truc à l'hôpital, c'est où les médecins vont m'appeler? Mais on ne change pas un numéro comme ça, bon sang. Mais attends, tu vois des petites personnes qui se permettent, t'es là parler de toi, mais je n'ai pas besoin que vous m'envoyez ça. Je n'ai pas besoin que les gens me voient dans la vie réelle, ils veulent me parler de Facebook. Moi, je suis bien poli. Mais sachez que Facebook, c'est Facebook. La vie privée, c'est la vie privée. La vie réelle, c'est la vie réelle. Si tu veux savoir comment je crie dans mon lit, mais si tu ne viens pas dans ma chambre, comment tu vas savoir comment je crie? Comment tu vas savoir? Si je pleure quand on me gnasse, si je supplie seulement que attache-moi, attache-moi. Si tu ne viens pas dans ma chambre, tu vas savoir comment. Moi, on est sur Facebook. Quelque chose arrive sur Facebook. Si je trouve l'important, je parle, j'en parle. Si je ne trouve pas d'important, personne ne va me forcer à parler ce que je donne. Je n'ai pas envie. Accepter comme ça. Ce n'est pas parce que maman Perpé parle d'un sujet que je vais parler de ça. Ce n'est pas parce que je parle d'un sujet que maman Perpé va parler. Ce n'est pas parce que Y parle d'un truc que moi je vais venir parler. Chacun fait les choses selon sa position. Ou bien quand il a envie. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne nuit et on se dit à vendredi. Il est minuit. Hein. On se dit à vendredi. Je coupe là, je vais boire mon vin, je regarde ma série et tout. Donc, je vous laisse. On se dit à vendredi au deuil de la doyenne. Venez honorer cette dame parce qu'elle mérite. Elle mérite qu'on l'honore. Elle mérite. Voilà. Et j'encourage les nouvelles blogueuses dans leur concept. Je vous fais des gros bisous. Bisous à vous tous. Merci encore à tous ceux qui soutiennent ma copine Maman Perpé. Ne la lâchez pas. Maman Perpé aujourd'hui, elle a beaucoup d'ennemis parce qu'elle a arrêté la guerre avec moi. Et il faut savoir que derrière la guerre que Compresso avait avec moi, il y avait beaucoup de tribalistes derrière. Il y avait beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit que le Cameroun est indivisible, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui entendent seulement la guerre. Il y a des personnes qui soutiennent quelqu'un par rapport au fait que la personne insulte un X ou un Y. Mais n'oubliez jamais que même le fait qu'on s'insulte, ça ne change pas que nous venons tous d'un même pays. Personne ne peut souhaiter la mort de l'autre. Acceptez comme ça. Même si vous nous soutenez, c'est bien de soutenir comme vous faites. C'est très gentil de votre part. C'est vraiment gentil. Mais sachez que derrière, nous aussi, on a des familles. Et que même si on fait des choses, à un moment, il faut avoir des limites. On ne peut pas faire la guerre toute une vie. On se fatigue, gars. On se fatigue aussi, que ce soit les autres camps, que ce soit nous, que ce soit tout le monde, on se fatigue. Il n'y a pas que ça à faire. Ça, qu'est-ce que ça peut bien apporter, la guerre? C'est vrai, on se titille sur Facebook, mais il y a des limites. Il y a des limites. En ce moment, il y a l'attachement qui chauffe. Mais ce qui est sûr, on va seulement revenir là-dessus. Parce que moi, je ne comprends pas comment un homme
qui a eu des rapports intimes avec une femme, même si tu l'as attaché, vous connaissez ce qui se passe dans les champs? Il y en a qu'on tire les tétons, il y en a qu'on gifle, il y en a qu'on tire les cheveux jusqu'on arrache. Mais est-ce que ces gens-là viennent raconter à la télé? Est-ce que ces gens-là viennent parler? Nous, ça nous fait rire. Ça nous amuse. Mais ce sont des choses qui ne se disent pas. Mais nous, on veut qu'on nous explique comment on a attaché. Et on va revenir sur le sujet. On veut savoir comment une star, pour prendre son pied, se fait attacher. J'assume ce que je dis. Je n'ai pas peur des clashs avec personne sur Facebook. Je suis la première à avoir commencé ce travail. Je n'ai pas peur des clashs avec qui que ce soit. Chacun a sa façon de clasher. Nous sommes toutes différentes. Donc j'ai envie de vous dire que nous, les Camerounais, les femmes camerounaises, nous sommes curieuses de savoir comment un Camerounais a attaché une femme pour qu'elle puisse prendre son pied. Comment une femme a demandé à son homme de l'attacher. Nous, on veut savoir, puisqu'il a parlé. Est-ce que c'est un problème de clan avec quelqu'un? Moi, je veux savoir. Peut-être moi aussi, en écoutant, peut-être aussi, moi aussi, je peux prendre mon pied comme ça. Moi, j'ai déjà entendu les fantasmes. Après, c'est moi-même, j'en ai. Je l'ai dit, et j'ai dit plusieurs fois. J'ai déjà dit mes fantasmes. Derrière le... Où le boxeur m'avait pris là. Derrière l'arbre, il avait garé son vélo au parc. J'ai les fantasmes. J'ai aussi mon fantasme que quand je niasse, je pense... J'ai aussi mon fantasme que quand mon gars me niasse, je pense que je suis parti à Kribi dans une boîte. Il a embarqué les gars, les waka. Il est go avec eux en boîte. Ça, c'est dans la niasse, c'est pour que tu vois un peu. C'est-à-dire que j'ai mes fantasmes. Non, nous, on veut savoir comment attacher une femme. Tu es la chèvre, tu es le chien. Comment attacher avec une corde marron? Une star qui parle fort. Soumise à jamais. Nous, on veut savoir. Moi, j'ai mes fantasmes. Je suis une femme. C'est normal. J'ai mon fantasme. J'ai mon fantasme là que quand je suis avec mon gars, quand le gars me touche, je pense que, ok, on est go à Kribi. Il a embarqué les waka. Il les a amenés à l'hôtel. Il a donc laissé la porte entrouverte. Et maintenant, je suis entrée. Et j'ai dit, pourquoi tu me trompes? Tu vas faire devant moi. Et entre-temps, je go m'asseoir, je bois mon champagne, je lui demande de Nias Lingala, je regarde. Donc, ok, nous on veut savoir, mon frère. Moi, quand il attend, je pense, je dis que oui, tu les embarques, elles étaient comment? Nias les propres. Ok, donc moi je veux savoir alors comment se fait-il que, quel goût ça peut avoir d'attacher une star. Même bébé Philippe va sortir les cordes marron. Nous, on veut savoir. C'est très important. Dès qu'elle va faire le retour, il faut qu'elle nous explique. Les histoires, il ne faut pas répondre. Moi, je veux qu'on me réponde. Voilà, donc il y a... Ko, attache-moi. Attache-moi. Quoi? Yosh. Oui, t'attache-moi. Maman, les choses de ça. J'ai les fantasmes comme ça. Les tous pas. Partir au club échangiste. Je tourne là dans les clubs échangistes. Là, je guette là les gars qui se font. Attends, je suis fille du dehors, gars. Il y a quoi? Mais l'autre là, que attaché. Non, je n'ai pas encore entendu. J'ai tourné, non? Ouais. Bon, on dort, non? Pour la corde là, on se voit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'est-ce que c'est que Facebook va prendre sauf que feu, que Nampian. Et nous, on va sauf que savoir. Et ça ne va pas finir l'affaire là. C'est la CPIE, ce tribunal là-bas, qui va séparer l'affaire ici. Go, attache-moi. Je veux que tu m'aies écrit de ça. Maman, il faut écouter les cris d'une star. Je mets, allez vous pendre. Et il y a même où là, les cris d'une star. Attendez, je vais mettre.
Maman, ça m'excite pas. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Il y a une là qui crie. Ça ne m'excite pas du tout. Donc, il y a les gens qui n'y a s'écrit en patois que ton... Pardon. Que ton ta... Que quoi? Ouais, maman, on met les cris. Pas jouer avec ça. Vraiment, donc vous nous faites quoi que l'anaconda est gros jusqu'à tu pleures quoi? Donc que l'anaconda est trop, trop bon. Oui, à force de manger. Oui, mais là. Baisse le bruit de la télé, on veut bien écouter. Mangala est bon, maman. On écrit de ça. Quand le mangala est bon jusqu'à... Seigneur, je sens que quand il vient, ça va seulement éteindre tout, maman. Donc les gars enregistrent oh, la force du mangala. Oh, oh c'est bon jusqu'à... Maman n'attend même pas le gars qui tape, même que le gars d'un bang bang, genre. Oh, la force du mangala. Maman, non, quand le mangala est bon, c'est bon. Hein. Là, c'est un truc, hein. Bonne nuit, les gens. Quand c'est bon, hein. Vraiment, les gars vont nous finir avec ça. Non, quand c'est bon, ce qui est sûr est que quand c'est bon. Non, les dirais vont pleuvoir, ça fait quoi qui? Vous me connaissez même. Oui, oui, oui. Maman. Oui, oui, oui. La constipation de ça. Arrêtez la personne qui a enregistré, non, maman? Arrêtez là. Je te jure.
Maman, j'ai dit que la force de la gnasse. Oui, c'est quoi? Ah, oh, doucement. Ah, bébé, vas-y, doucement, s'il te plaît. Tu me fais mal. Tu sais que quand tu me fais mal au gars, il y a un gros salaud. Tu me fais. Tu me fais. Non. Eh bien, mon cœur, doucement, s'il te plaît. Aïe, je suis vieille pour toi. Oh, les vieilles mères de Paris. Oh, les vieilles. Oh, les vieilles mères de Paris. Chérie, c'est toi qui me dévierges ce soir. Oh, bébé, s'il te plaît, doucement. Ça fait 6 mois, je n'ai pas. Hein? Ça fait 6 mois, je n'ai pas. Oh, doucement, bébé, s'il te plaît. Doucement, s'il te plaît, bébé. Doucement, vas-y, doucement, s'il te plaît. Oh, tu me fais mal. Oui. Non, doucement. Oh, je te sens. Doucement, s'il te plaît. Vas-y, encore. Encore. Encore, mon cœur, s'il te plaît. Oh, vas-y, touche doucement, s'il te plaît. Tu me fais mal. Oui. Oh, bébé. Oh. Doucement, s'il te plaît. Je ne veux pas crier. Crie fort. Crie fort. Tu vois? Mais attends, c'est quoi ça? Oh! Non, crie. Non, je ne veux pas crier fort, s'il te plaît. Doucement. Vas-y, descends encore. Oui. Oh, tu me fais du bien. C'est ça, tu me fais du bien. Oh, je ne vais jamais. Oh, la nièce des noix. Oh, oh, jamais te tromper. Quoi? Doucement, tu me fais du bien. Oh, je ne vais jamais te tromper. Oh, la nièce des stars, oh. Oh, oh. Oh, je vais accoucher pour toi. Eh, que toi aussi. Oui, mon cœur. Vas-y, encore. Doucement, prends-moi partout, bébé. Vas-y, descends. Aïe. Vas-y, partout, ouais. Vas-y, doucement. Tu me sens, oui, encore. Vas-y, encore, bébé, s'il te plaît. Vas-y. Donne-moi ta bouche. Ah. Donne-moi tes doigts. Vas-y. Regarde-moi. Tu vois? Regarde-moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Regarde-moi, tu vois, tu dis regarde-moi, tu regardes le gars, tu vois, regarde-moi, s'il te plaît, vas-y, ouvre ta bouche, tu vois, tu dis regarde-moi, bébé, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi, vas-y, tu me regardes, vas-y, tu vois, tu pendais, oh, vas-y, hein. Tu vois, mais attends, ouais, vous savez quoi, c'est parce que bon, on ne peut pas reprendre les coups de la gnasse. Vous comprenez, non? Parce que vraiment, vous les femmes africaines, là, arrêtez de crier que les voisins, arrêtez d'appeler tout le quartier, mon frère. Tu cries même, on peut arriver là, on croit qu'on a été bastonné alors que tu es en train de jouer. Quand même, arrêtons un peu. Il y a des trucs, regardez les trucs érotiques. Enseignez-vous, c'est là, c'est une job. Apprenez. Oh, je vais te faire les... Non. Je vais te faire les beaux bébés. Je vais te... Oui. Oh, oh, oh. Ben non. Vas-y, tu es trop gros. Oui, c'est trop, bébé. Tu me fais mal. Vas-y, doucement. Vas-y, vas-y, doucement. Le gars te dit aussi, je ne vais pas te faire mal. Il sent que... Lui-même, il sait qu'il n'a rien entre les jambes. Mais il te dit que non, il ne va pas te faire... Lui-même, il sait que c'est la chenille. Toi, tu lui fais croire. Même lui-même, il sait que c'est la chenille. Mais tu lui fais comprendre qu'il a été blessé. Alors que ça fait même... Vous va. Tu vois, ça balance même. Il y a l'air même qui entre... Mais tu fais savoir au gars qu'on a poussé acheter magasin avec l'anaconda, non? Elle est où cette vieille chouette-là? On la sent pas, hein? Elle est squattée là-bas à Bomono. Elle est partie en mariage à Bomono. Vraiment, elle nous manque. Hein? Bon, mes cœurs, je vous laisse, je vais dormir. On fait comme ça, bonne nuit, merci. Je vous ai beaucoup entretenu, non? Bientôt, on lance le litchi pour la reine-mère. La reine-mère a faim. Bon, bonne nuit, nos cœurs. Bye-bye.